Hop, c'est bon, parfait. Nickel. Par contre, j'ai pas de chope, on va pas pouvoir bouger de là. Si. T'as une voiture, toi? Ouais, la voiture de mon entreprise, du coup. Et après, il faudrait que je te parle. Tu sais où il est, Angelo? Pas de nouvelles, il n'y a pas de téléphone, je sais pas. Ils Ah étaient oui, au c'est motel vrai. hier, donc peut-être au motel, mais je sais pas. Au motel? Ouais, il y a un motel pas loin Ah ouais? du poste de shérif, ouais, là-bas. Ouais, il se met bien. Ah ouais, il a pris une Viens, chambre, je on crois. va aller chercher la voiture, viens. Et voilà. Si tu veux me mettre le GPS, tu peux. Vas-y, je te mets ça, attends. Hola, Trinkaoff, comment tu vas? J'espère qu'il a pas bougé, qu'il est toujours là-bas, quoi. Ben, j'espère. Ouais, ça va, merci. Ah non, je lag, putain. Je commence déjà. Coucou Doudou. Merci pour ton abonnement. Pour ton resub. Hola Winnie. Ouais, ça va, ça va. On va aller voir, hein. Ouais. Le motel, si c'est derrière, je crois. T'aimes bien ma tenue? Ça va, ça passe, ça passe. Le farming RP, ouais. Elle est là-bas, elle est là-bas. Ah. Bonjour. Ouais, ça commence. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on m'a dépouillé, on m'a dépouillé. Bonsoir. Bonsoir. T'es pas le seul, ouais, moi aussi pour la Ah, nuit, on moi m'a fait pareil, voler ton lit, on m'a volé on ma m'a fait le voiture. pickpocket cette nuit, le temps que On je m'a volé dormais ma sur le ballot de lit. paille. Sur le quoi? J'ai dormi sur la paille cette nuit. Ah ouais. On a des chambres de motel ici, hein, si jamais. Hein. Ah oui, Ouais, j'ai mais une j'ai chambre dormi de dans ma motel là ferme du alors. Ah, vous avez une ferme. Oui. Oh Ok, non, je lag, c'est les facile pour gars, se mettre là, apparemment. putain. Fais chier. On est dormir au motel. Ah. Comment ça se Allez, fait? ça va cher, et c'est confortable. Voilà, vous avez raison. Vous avez des places de parking spécialement pour... J'ai tout Ouais, pas mal, nettoyé. pas mal. Hein. Ouais. Du coup, on... On a acheté un téléphone. Exactement. Putain de Il y a merde, un j'ai même jeu, pas de téléphone. On Il y a un va jeu monter dans là-bas, ma on va acheter à voiture. manger. Ah, moi c'est bon, moi. Ah mais je coûte du Merci bien. beaucoup, du Venez, coup. venez. Ouais, de rien, Ouais, pour l'accueil. Ah, pas de soucis, pas de soucis. Ouais, bah enfin, Vous avez bien dormi, j'espère. Ouais, j'ai bien dormi, ouais. Allez, ça marche. Passez une bonne Allez. soirée. Tony! Ah, vas-y. Ça va mieux depuis tout à l'heure? Il vient pas? Non, il travaille ici.
Ok. Bah, mettez-moi le GPS en route et on y va. On va où du coup là? À manger déjà, à boire, téléphone. Ouais, j'étais mieux. Ouais. Qu'est-ce que là, ma voiture? Qu'est-ce que là? Vive le régulateur. Ah, c'est bon! Ouf! Mais wesh! Mais qu'est-ce qu'elle a? Ah bah c'est bon! De quoi? Bah non! Oh, toujours en PLS! Ouais, ça lag là, je sais pas ce qui se passe! Dans la boîte à gants là. Parfait! Mais elle a quoi cette putain de voiture? Dans la boîte à gants? Ah, c'est bon, j'ai trouvé un petit téléphone dans la boîte à gants, t'as vu? Ah! Mais moi j'ai pas de téléphone, donc j'ai un ancien. Et du coup, moi je vais aller voir la mairie. Mais elle veut pas avancer? T'as mis le régulateur ou quoi? Ça va, moi et. Ça va et toi? Attendez. C'est quoi elle ça? Laisse le volant en pire si tu veux. Non, ça va! Allez! Je me concentre sur ma route. Je regarde vos commentaires après, les gars. On a un putain de travail là, parce qu'on est vraiment dans une merde. Mais... Justement, là, je dois vous parler. Ne paniquez pas. J'ai l'impression d'être dépouillé, je sais pas, il y a un truc. Il me reste 84$, putain de merde. Mais elle avance pas, ma voiture. Alors, on est sûr de pas se faire flasher 62 km/h. Mais... Là. Ils sont cons. Et là, avec ce téléphone, il n'y a plus de système d'airdrop là, je viens de regarder là. Et... Oui, il va falloir qu'on s'appelle notre code wifi chacun, parce que putain la vache. Le code wifi poteau. Là. Vas-y, tourne, c'est là sur le côté là. Quel côté? Là, sur le côté là, à la gauche. Ah. Tu sais où il y a le camion là? L'aspirer. Demi-tour sur retourne, bah voyons. Ah oui, évidemment, on va pas faire le tour entier. Évidemment, on va pas faire le tour entier, on fait demi-tour sur l'autoroute à contre-sens, machin. Bien évidemment. À contre-sens. Voilà, petit dérapage. Ouais. Voilà. Évidemment. Ah, là, encore à contre-sens, c'est bien, on va se faire taper le temps. Quoi? Quoi? Ici? Non, plus haut. Wesh! Mais tu le fais exprès, regarde ton téléphone là, regarde Waze! Ah, ici! Eh ouais! Tant mieux avec les pieds, je te jure. On est arrivé! Oh, Angelo! Regardez la dégaine de Malexui! Ouais, ça va trop vite pour moi! Le demi-tour! Ah mais j'ai pas passé le permis encore. Paf. Ouais bah ouais. Ah bah attendez alors. Et c'est bon. Hein. Ouais Apu, tu peux me rembourser mon téléphone ou je te donne mon ticket de caisse. Là du télé. Mais il me faut juste la nourriture et c'est bon. Poussez-vous, hein, je veux y aller aussi. Attends, pousse-toi là. Toi, pousse-toi. Ah, il me faut un nouveau téléphone.
Ouais, bah voilà, j'ai pas d'argent. Super. Ah, ah non, j'ai pas de carte. Mais super aussi. Je sais même pas si je peux retirer sans carte. Co-girl, t'as vu? Je sais même pas c'est quoi mon code, frère. C'est bon, t'as de l'argent ou pas? Mais j'ai que dalle! T'es moins 36 dollars, wow, c'est la crise. Oh. Putain. Je sais même plus combien j'avais quand on m'a volé. Ouais, ça lag, je sais pas pourquoi, j'ai tout fait. Je me cognais contre la vide là, sérieux, 36 dollars, qu'est-ce que je vais faire avec 36 dollars, putain de merde. Je sais pas pourquoi ça lag, qu'est-ce que j'ai d'allumé là. Vas-y, un coup là, ramasse mon... T'as un brand, il faut que je m'achète un... Non, mais j'ai rien. Pardon, excusez-vous. Rockin' Bank. Ouais, non, ça lag de ouf. Peut-être redémarrer mon live, je sais pas, ou redémarrer même mon PC tout court. Non, ça va pas là, moi ça me... Ah, ok, c'est fermé. Attends, mais le code de ma carte bleue, il marche plus aussi? Ah là, c'est trop, hein. Il y a des moments où ça passe et des moments où ça passe pas. C'est bon, Apu m'a tout remboursé, ce bâtard là, c'est bon, c'est carré. Je crois que c'est ça. Non, c'est même pas ça, frère. Attendez, je vais aller sur Discord et faire un ticket. Couteau. Ouais, il va tout. Le bigot. Ok, vas-y, un peu la pile. Alors, je sais que tu donnes ça. Merci beaucoup à tous les enfants. Merci à tous les enfants. C'est bon, Apu aussi, il est trop mignon. C'est bon, t'as un nouveau téléphone, carré. T'as fait tomber des couverts au biais de ta poche. Ah, c'est pas moi, c'est pas moi. Oh, c'est Lexi à côté là, elle a fait tomber son Lexi assiette dans la poubelle derrière là. Ouais. Mais ouais, arrêtez ouais. De dire des conneries. Quoi? On parle plus. Oh, toi. T'as compris, Winnie, hein? Ça va la chicoter, hein? Moi, je suis plus en mode comme ça. Comme ça, là. Plus en mode... Plus en mode... Non, Obi, arrête. C'est quoi en vrai maintenant? Oh, mais j'ai plus d'appli! Hop! Ah ouais! T'as plus, là, bonsoir! Quoi? Bonsoir! Ah, vas-y, je prends une petite coque. Attends, je vais demander une coque rouge là. C'est quoi ce bruit là? Ah, ok! Ouais, ton téléphone, t'as oublié comment il est? Incroyable. Ah ouais, incroyable. Celui-là qui est incroyable, regarde. Ouais. Celui-là, là, il est incroyable. Salut Riley.
truc particulier, je dirais ma ferme. Comment t'as récupéré ton téléphone, Lexi, ou pas? Ouais, il était au fond de ma poche. Putain, merde. Il m'a même offert des bouteilles. Ah non, moi, il me les a pas offert, j'ai dû les racheter, ce fils de pute, là. Oh, le bâtard. Pas donner vos numéros de téléphone, hein. Allez, go. Bah, allez, vas-y. Pas moi, c'est à la playa. Attendez, je vais... Attendez. Attends, je te le... drop. Tu peux pas, plus, on peut plus. Ah ouais. T'es obligé de les plaies, là. Oh, c'est tout petit. 58 92 143 Lexi Kowalski. Salut Blart. En vrai, non, attends, je t'envoie un message. Merci de ton follow. Bah écoute, apparemment ils ont supprimé. Ouais, bon, ils l'ont supprimé. Nickel. Mais je vais me chercher, je vais me chercher de la bouffe. Vas-y. Quoi ? Donne ton numéro. Ah mais... Alors attends. Hop. Hop. Quoi, je peux pas empiler ? Ça aussi, ça a changé ? Ah bah oui, non mais j'ai pas de sous, putain. 91 132. Ouais, c'est... Ils ont changé de téléphone, Tony. C'est pour ça. Attendez. Attends, j'ai vérifié. Ah. Putain. Alors, vous slidez du bas vers le haut. Sur ah le bah oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui. Et le bouton, et après on peut airdrop. Alors, et au... airdropez-moi, s'il vous plaît. Ah, c'est bon pour moi. Attends, je t'envoie un message au pire. Hein. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. J'attends Lexi, je crois. Lexi, elle m'a pas airdrop. C'est bon, calmez-vous. Ok, let's go. Oui, c'est vrai, je vous écoute maintenant. Voilà, je ferai tout. Non, je ferai pas tout, mais j'écoute tout ce que vous dites. C'est bon, c'est carré, vas-y, on peut y aller. Allez, on y va. Les grands devant, les petits derrière, allez hop. Oh là. Attendez, mon... j'ai un problème de TS. Y a tout qui déconne là. J'ai nettoyé mon PC à mort et au final, y a rien qui fonctionne, frère. On va où ? Je vais t'appeler vite. On va où ? Tu sais pas, tu devais nous parler, t'as dit. Ah bah, on retourne à la ferme. Ouais, ça va quoi ? Ouais, ouais, tranquille, on est là, poteau. Hein. Mais pas. C'est sa sonnerie ? C'est incroyable. Ouais, j'écoute juste. Petit fast-time. Salut Katsu, tu vas bien ? Moi, ça va, merci. Nous, on fait tout ce qu'on te dit. Ah, imagine, je fais tout ce que vous me dites. Vous imaginez ? Je me fous dans la merde. Vas-y, Tony. Bon courage. Qui la voiture, là ? Yo. Allez, venez les mecs. Ouais. Alors, vous avez pas de travail, c'est ça ? Ah non, chum chum là, putain. Excusez-moi.
Oui. Bonjour. Bonjour. Ouais, serait-il possible d'avoir le gérant ou la gérante? C'est moi. C'est possible de discuter rapidement, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Ça serait pour savoir à combien vous pourrez nous vendre, je sais pas moi, par exemple des œufs, etc. Justement, j'étais en train de mettre les prix okay, en place. Au pire, donnez-moi votre numéro et je vous recontacte ou vous m'envoyez un message. Peu importe, on s'attrape, hein. Non, pardon. S'attrape carrément. non, je vous passe le message. C'est trop. Je vous envoie un message. Ouais, ça serait le bordel. Comme ça, je suis peut-être trompée. Voilà, moi, c'est donné. Je vous envoie un message. Voilà. C'est parfait. Ok, bah, je vous attends du coup. Ok, y a pas de soucis, bonne soirée. Merci. Bonne journée. Bon courage. Thank you. Ouais. Oui. Pourquoi vous êtes parti? Parce que moi j'écoute des sonneries. Ah ok. Attends, faut que je mette une nouvelle sonnerie en vif, attends. Ah bah allez-y. Les sonneries, téléchargez l'application Sage. Il y a des sonneries, c'est incroyable. Attends. Je veux leur parler de travail et eux, ils parlent de sonneries de téléphone. Wow. J'installe Twitter aussi, putain de merde. Moi j'ai installé l'application de rencontre Tinder. Bah ouais, tu vas chercher l'amour de ta vie. Tu vas chercher l'amour de ta vie. L'amour est dans le pré, Sartek. Ah, va te faire foutre. Il est con. Nous retrouvons Lexi, 42 ans. À traire la vache ou à téter la vache. C'est ce que tu veux faire. Ok. Bonsoir monsieur. C'est moi. Ah comment, Louis, comment pardon. Ça se fait? Mais je devais venir. Oui. Comment ça se... Bah en fait, je voulais venir te voir ou venir voir tes sœurs. Pour parce que je suis avec les Farayeurs maintenant. Ah, tu travailles avec eux? Alors il me faut 3 seaux et 3 cisailles. D'accord. S'il te plaît. D'accord, mais tout de suite. Mais je vais pas les sortir de mes fesses. Ah, pardon. L'amour est dans les champs. En plus, ouais. Plus voiture pour y aller. Ah, bah rip. Et je sais même pas c'est quoi le prix. Ah, bah alors là, je sais pas non plus. D'ailleurs, faut que tu me redonnes ton numéro. Comment on fait pour la mettre après la sonnerie, mon boy? Je sais pas. Vous savez pas modifier votre sonnerie? Attends, 30 secondes, hein. Vraiment 2 petites secondes là. Ah ouais, c'est vrai. Ah, avec ce téléphone, on doit dire. T'as reçu mon drop, mon airdrop. Comment ça fait ? Tu glisses ton écran du haut vers le bas et tu fais partager via le Bluetooth. Pouf pouf. Le Bluetooth. Tiens, venez ici, vous deux là. Attendez. Attends, je vais te chicoter, bouge pas toi. Je vais partir, je reviens après. Y'a pas de soucis. Hop là. Je fais ma couille, hop, je t'envoie un petit message. Ouais, parce que. Je change de numéro comme ça, de téléphone. C'est plus chiant. Tu m'as pas donné ton numéro. Je t'envoie un message. Envoie-moi ton numéro aussi. Je te l'ai enregistré, poto. Je t'envoie un message. T'abuses. Je sais pas, attends. T'aurais dû le drop au bi parce que j'ai la flemme de marquer. Je te les drop déjà, non? Attends. Du coup, vous allez travailler ici, au Pied Angelo? Je vais leur proposer. Ah. Et du coup, voilà. Merci, Obi. Ah, alors, bah voilà. Est-ce que ça s'est fait? Le cas pour m'appeler pour voir si ma sonnerie a changé ou pas. En vif. Je t'appelle. Ah. Vas-y. Vas-y, appelle-le. Pas de sonnerie, putain de merde. C'est quoi ça? Eh merde. Attends. Moi aussi, est-ce que tu pourras m'appeler après? Tu fais. Merci, fais mon mari. Appelez-moi pour voir, s'il vous plaît. J'ai même pas de sonnerie. Je t'appelle. Putain. La meuf, elle veut toujours appeler la première, vous savez. Merde, je suis paumée dans le téléphone.
Mais si ça marche. Décroche. Ça marche. Incroyable. Bonjour monsieur Salvador, comment allez-vous? Oui, Salvador. Je vais très bien, et vous? J'ai une proposition à vous faire. Souhaitez-vous travailler à la ferme avec moi? Écoutez, ça serait un grand truc pour moi. Collaborateur. Comment ça? Si vous êtes disposé à travailler avec moi. Ah, oui, bien sûr. Il y aura des vaches à téter, par contre. Comment ça? Je vais vous apprendre à téter, ne vous en faites pas. Raccroche, vite, vite, vite. Mais... Vite, raccroche. Je peux pas... Mais... C'est qui? Oh non! Oh non! Oh non, Angelo! Bon bah, c'est tout. Mais la, tu la... lui as foutu une patate? Mais non, il est tombé dans les pommes. Oh non! Mon micro marche, alléluia! Ouais, bon bah, il faut aller où? Ah bah, faut aller. Faut aller. Ah, vas-y, quoi. Non, non, non. Hôpital, vous me mettez le point? C'est bon, c'est quand même. Allez, on y va. Oui, elle est partout. Elle est là, le médecin, en plus, ça tombe bien, ça, c'est carré. Oh, ouais, oh, 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 oh. Oh non, il y a un mort. Et le médecin, non. Non mais, mais monsieur, on avait besoin de vous, vous avez déconné. Monsieur. Attends, je vais le mettre sur un brancard, putain. Partout, je vois tout. T'as la ninja, ouais. Et du coup, Alexis, je oui t'appelle après pour te dire les prix. Bien sûr. Putain, ça va le faire, monsieur. Tenez bon, tenez bon. Fais-lui un massage cardiaque et du bouche à bouche. Attendez, moi je vais rêver en disant il va voir. Hop, tac. Ah bah ça va pas rêver. Vous avez pas mal à la tête? Ah si si. Ah, j'ai peur. Je bique. Bon, il va se réveiller. Je suis à un repas. Je me coûte ici une heure. Y'a pas de soucis, moustache. Salut Ayoub, comment tu vas? Je crois qu'il faut les mettre des claques là. Bah mets lui des claques. D'accord. Bon, tu m'excuseras, Angelo. Et merde, j'ai foutu une claque ailleurs. Allez. Tiens, tu vas te réveiller. Réveille-toi. Ouais, fantastique. Bon bah, il ne veut pas te réveiller. Peut-être toi, t'as une meilleure force. Tu veux lui mettre des claques, hein. Ah bah il est là. Oh, des sauveurs. C'est moi, je l'ai réveillé. Ah. Putain, je suis bon. Tu lui as mis un clic. Monsieur, il faut l'aider, il faut lui mettre un suppôt parce qu'il se réveille. Ah, je vous ai mis des claques, vous êtes réveillé, je sais pas. Je vous ai retrouvé devant, vous étiez un petit peu dans les vapes. Moustachu, tu... J'attends de voir la suite des aventures à Padré. Il va faire malaise. Ouais, non mais c'est musique à lui. Il est tombé, c'est tout. Je suis de sucre, je pense, en vrai. J'étais un peu sur son stream tout à l'heure. Monsieur, est-ce que vous m'entendez?
Vas-y, on vous laisse s'occuper de vous, on sort de la salle. Oui, c'est une bonne idée. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Lexi, tu vas pouvoir faire au cowboy en fait maintenant. Pourquoi? Tu veux que je te lance un lasso? Mais quoi? Mais non. J'ai ma marche qui arrête pas de se défaire. Si, la mairie, ils se sont trompés sur ma carte d'identité. Non. Ils sont en 2003. Ah merde. Tu me fais peur là. Attends, je vais regarder ma carte. Attends. Non, mais parce qu'en fait. Moi j'ai 19 ans maintenant. C'était mon anniversaire il y a un an. Ah, et bah. Ah. Si c'est passé en 2003, c'est 19 ans aussi. C'est toi qui lui avais donné? Salut Mick ou Mike, comment tu moi, vas? Merci de ton follow. Bienvenue. Putain. 19 ça ans, pousse. Oh là là, ouais. Ouais. Ça pousse, putain de merde. J'aimais non, trop mes 17 ans et mes 18 ans. T'es pas encore majeur, hein? Putain. Ouais, je le sais, mais c'est triste. Ça arrive. Maintenant, tu mets tes mains dans la bouse. Et ouais, c'est comme ça. Et bientôt, je vais mettre ma main dans ta gueule. Oh. Je me l'ai déjà pris plein de fois. Non, c'est pas mon serveur du tout. Louis, là, en vif, voir s'il peut te mettre. Bon, bah, s'il peut passer. Quoi? Baisse ta tête là au niveau de Lexi et après, elle te met une tarte comme ça. Tac. Attends, c'est très bien, mais. Attends, je vais m'asseoir. Bonjour, ouais, y a notre collègue qui se fait. Tiens, mets-moi une claque, on va voir. Qui s'est occupé par votre collègue là. Tiens, ah, okay, pas de soucis. Bon, il est à l'intérieur là, je vous laisse aller voir. Ça va? Ah, ça fait mal. Oh, allez, fais pas ton. Ah, elle est là. Oula. Elle est sortie. Oh, bonjour monsieur. Courage à vous. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur. Les forces à vous. Hein. Merci. Moi, sur la joue. Moi, tu sais ce qui. Ce qui me soigne, c'est les bisous de ta soeur, hein, Lexi. Ah, hier, ça m'a bien sonné. Ah, bah oui. Par contre, qui rentre dans le coffre? Hola, Babylon! Rendez l'autre, tu viens. Rentrez! Mais y'a de la place, bande de cons. Rentre! Vas-y, montez. Vous m'entendez? Ah, mais en fait, y'a. Ouais, on vous entend, ouais. Allez dans le coffre, monsieur, allez dans le coffre. Okay, oui, vous voulez quoi? Vous allez à Los Santos? Ah non, on va à la ferme. On va à la ferme, on va aller voir les animaux. Vous m'emmenez avec moi? Bah oui, mais l'entrée elle est payante, hein. Ouais. C'est pas une zoo. C'est un zoo, alors c'est $50 l'entrée, monsieur. Ah. Y'a beaucoup d'animaux, hein. Je vous paye en juin, ça vous va? D'animaux? Ah ouais? Ouais. Allez, go, monte. Let's go. Y'a une place là à votre droite, non? Non, dans le coffre. Comment on fait? Ah, voilà, vous allez trouver. Je crois que j'y suis. Allez, non, je crois pas qu'il. Non, il est pas dedans. Je suis pas sûr. Recule, vas-y, recule pour moi. Non, il est pas dedans. Ah, bah non, il est pas dedans. Non, il va t'écraser. Non, il est pas dans le coffre. Il est coincé. Ah, attendez, je vais dans le coffre. Merci. Allez, je prends ta place du coup. Eh, j'ai envie de mettre de la musique. Sortez. Non. Sortez. Pour que je puisse rentrer dedans. Sortez, on vous a dit. Putain, ils sont verrouillés, ouais. Les portes. Attendez, couvrez pas la poignée. Ah bah voilà, là, il est dans le coffre. Ah bah voilà, ok. Ah voilà. En plus, il m'a chopé là. Vous savez, il travaille avec qui? Il travaille avec les hésitants. Ah d'ailleurs, il n'y a pas l'un de pour vous. Pour la ferraille. C'est quoi? Il n'y a pas l'un de vous qui a le numéro d'Arfamilis. Belle côte, Lexi. T'as vu? C'est quoi ça? Bah, c'est des gangsters qui me chient. Des gangsters? On n'est pas de ce bord-là. Non. Bah, moi non plus. Je veux devenir shérif, mais j'aurais plein d'un peu de cons, quoi. Ça va pas ensemble, ce que vous me dire. Je sais, c'est pour ça que j'avais rendez-vous avec les médecins. D'accord. Ouais. Putain. Ouah. Oh merde! Ma barrière! Il a un problème, le monsieur. C'est une dame, je crois. Oh non, Tony! C'est quoi là? Parce que moi j'avais l'impression qu'on était dans une. C'est rien.
Ok, ok. Et vous vous accueillez plus comment, Dave? Lexi Kowalski. Et vous? Moi, je m'appelle Luciane. Luciane McGarry. Océane? Non, Luciane. Hein? Par contre... Luciane. Monsieur, je suis désolé de vous dire ça, mais vous êtes un peu, un fantôme. Ah. Une idée d'Angela, ça, à tous les coups, bah ça. Regardez le flow qu'elle a. C'est bon ou pas? Non, toujours pas. Est-ce que toi, Detective, tu me vois? Bien sûr. Toujours. Je rabatte le monsieur. Je pense que... Ah bah, il y a ta sœur. Je pense que je vais aller dormir dans les buissons vite fait, parce que là, j'ai des petits soucis. Oh, il y a... Salut Ivy. Ouais. Ah, t'es dégueulasse. Mais je te fais des bisous. Bonjour. Bonsoir. Ah, c'est bonsoir. Le petit d'hier là, non? Bah oui, c'est moi. Ah, t'as un peu mieux. Sacré allure en salopette, non, t'as vu? Tu grandis? C'est trop. Mais si tu grandis. Non, non. Il est tout mignon. Non, mais je rigolais. Il est tout mignon. Du coup, Ivy, il est ferrailleur, il peut nous avoir des seaux et de la cisaille. Oui. Oui. Sérieux? Pour combien? Je sais pas, il faut que je demande. Bah vite, dépêche-toi. Bah, et on laisse le rêve tranquille ou quoi? Ah, salut Obi, ça va? Tranquille, on est là. Hein. Ah ouais? Vous aimez bien de squatter? Ouais, je te jure, on... sur Exa, on s'habillait toujours pareil. Ici là, paf. Petit son pénin. Bah non, je l'ai plus. Ah ouais? On me l'a volé. Non, elle a pas changé de micro, elle a fait des modifications parce que ça grisillait trop, je sais pas quoi. À moins qu'elle a changé de micro et qu'elle me l'a pas dit. Eh merde! Ah bah, go, l'hôpital. Elle se fout de ma gueule. Aïe. Non. Mais non, Obi, c'est moi! Bougez, je la. Attendez. Oui, oui, porte ma soeur. Vas-y, go. RP hôpital. Putain quoi. Oh merde, attendez. Putain, mais pourquoi mon TeamSpeak il s'éteint tout le temps là? C'est quoi ce problème? Ouais, ils nous ont suivis et on va les embaucher à la ferme avec. Il est tombé où? Bah, toi tout à l'heure, elle est tombée. Elle a fait un gros malaise. Elle a fait un malaise vagal. Manque de sucre, je pense. Hein. Ah ouais. Je pense plus que c'est parce qu'elle a pas fumé qu'elle a fait. Elle se sentait pas bien. Ça a bédé avant famille. Ah ouais, tu connais. Manquer de nicotine, putain de merde. Là. Incroyable. D'ailleurs, moi j'ai trouvé une cigarette électronique. J'ai trouvé une puff. T'as trouvé une puff? Ah, ouais, j'ai trouvé une puff. Tu vas où là? Vas-y, tourne à gauche là. Tourne à gauche. Gauche. La deuxième gauche, ouais. Ouais, après droite. Après droite. L'inverse de la gauche. Après non, droite. Non, avant ça. Ouais, oh la vache, elle voit pas les panneaux, elle a défoncé. La gauche, ouais, on a une ferme. Ah non, mais comme d'hab, c'est RP hôpital. Hein. Ouais, on va connaître le chemin par cœur. Si, j'ai bien conduit tout à l'heure, mais là j'ai paniqué. Oh là là, je panique. Laisse-moi passer, je vais te gifler. Wow, mais c'est. C'est bon, vous avez pris ma soeur, vous la prenez? Vous en faites pas, je m'en occupe. Oh, ok, rigolez bien, ouais. Putain,
J'étais en patient. Ouais, Exa, c'était possible, toute la famille RP Arina, hôpital. 13 mois. Ça me dit. Ça me déstresse. Hein. Ah, appuie sur le petit bouton de ta CE. Voilà. Ah ouais, ça fait moins de fumée, ça a pris ce mois. Non, c'est dehors. Ah, ça en fait rentrer. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Ah, je relague ou pas là? J'ai l'impression que je lag, non? Non, elle est là, la porte. Ouais, je lag. Non, mais c'est parce que, en fait, c'est. Je crois que c'est. Je sais pas. Ouais, mais c'est trop. J'aime pas. Oh! J'ai trouvé un nouveau bouton. Trop bien. Putain, 42 minutes que je suis en live, 42 minutes qu'on est à l'hôpital. J'arrive les gars, je réponds à ma sœur, à Harley. Je réponds un peu tard, mais bon. Alors, dans la ferme, on ramasse des œufs. Exactement, Didou, mais je vais faire un champ de weed plus tard. Non, on ramasse des œufs, on fait du lait, du fromage. Du blé, de la farine. Ben ouais, vous connaissez les sœurs Kowalski, hein. Au revoir. Bon, ça vous avez besoin de numéro si vous... C'est bon, t'es vivante? Oui, il y a des charros, on trouve une meuf là. Oh. Non mais pour mais laissez-la tranquille, arrêtez de la pécho. Elle a dit bon, elle a pas d'avis. Ouais, faut l'introduire un peu. Ah bah oui. Ça ah bon bah pécho. Bah, voilà. Bon bah du coup oui, je te laisse. La meuf elle se pécho, elle aime ça. Moi bon, elle veut se faire pécho. Ah ouais. Ouais. Elle est peut-être en manque après, hein. C'est normal. Comment ça, elle veut se faire pécho? Ouais, elle a dit ça me dérange pas. Ah, oh putain, tu conduis? Ah, bah tiens, conduis. Ouais. Je conduis. Vas-y, tiens, vite fait de la. Je te donne à manger en vif. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ah, merci, c'est gentil. Et après, c'est moi qui vais manger là. Et du coup, il est où le monsieur pour les ciseaux là? C'est bon là ou quoi? Il est en train de pécho, le monsieur avec les ciseaux là. Ah, mais on a besoin de lui, non? Mais oui. Louis, ramène ta grand-mère ici avant que je te foute une gifle. Voilà. Oh, les charros, on a besoin de vous. De je ne parlerai pas d'Oliver parce qu'ici, c'est Lexi. Salut, maman. Je sais pas qu'elle est défendue. Ouais, ça lag. Conduis doucement, par contre. Hein? C'est qui conduit, là? Bah, c'est Lexi parce que c'est elle qui a les clés. Ah. Ah. Oh, non. Ah j'ai rêvé, j'ai rêvé. Ah ouais, ça lag, mais ça va passer, les gars, ça va passer, ça va passer. Ah, mais comment ça? Bon, bah, moi, je vais derrière. Ouais, elle a mis le flash sur son téléphone, regarde. Ah, je peux pas. Bon, je vais mettre ici, là. Mais. Ouais, bah, évite de me coller quand même, hein, petit. Oui, petit oui. Gamin. Sortez, mettez-vous vraiment dans le corps, vous allez tomber. Hein? Mais non, on va pas tomber. Ah, oh pardon. Mais c'est quoi ce dilatateur? Ouais, ça force trop, hein. Ouah,
m'a poussé. Vous abusez, putain. Attends, je vais t'aider, je vais t'aider. T'as besoin d'aide. On y va. T'as besoin d'aide, peut-être. On y va. Aïe. Je l'ai écrasé. Ah, je t'ai énervé, Lexio, ou ça se passe comment? C'est bon, moi, non. Je prends tout le temps la gueule. On peut y aller. Eh merde. Oh yeah. Bon du coup, monsieur, pour les cisailles, vous savez les prix? Non. Ah, et pour les... vous faites des sauts aussi, non? Ouais, on fait des sauts, on fait... Ah ben... je serais très intéressé pour des sauts et des cisailles, s'il vous plaît. Ah, les deux? Sinon... Hein? Les deux? Oui, parce que faut que je puisse traire ma vache. Ah, parce et qu'on faut... on m'a dit cisailles, c'est que pour les vignerons. Lexi, elle a dit qu'il n'y avait pas besoin du saut, elle avait sa bouche. Bah, les non, c'est pas besoin, monsieur. Il faudrait 4 sauts et 4 cisailles. Attendez, je vais essayer un truc. 4 sauts et 4 cisailles. Faut que c'est ça, ça, c'est que. Ouais. J'ai pas vu le stop, moi. Oui, elle padrait, est-ce que t'es là? Et du coup, depuis tout à l'heure, j'essaye d'embaucher 2 personnes, j'y arrive pas. Oui. Ah, bah, tu veux que je les embauche? Ben ouais. C'est qui? Angelo et Obi. Quoi? Ça te dérange? Bah non, au contraire, moi je suis trop contente, moi, s'ils sont là. Ben oui, moi aussi, je suis très contente, je les aime beaucoup tous les deux. Mais moi aussi. Enfin, plus Obi quand même. Ben, va te faire foutre. L'autre, il est un peu bizarre. Laisse-le, quoi, mais... oh. Non, moi, c'est la vérité. Il est gentil, Angelo, il est très blagueur. Sur les bords, on va dire alors. Oui, bah, ferme-la un peu. Ouais, bah, je suis calme, hein, te plains pas. Ouais, heureusement. C'est... Non, j'ai l'habitude de venir. C'est un monsieur qui voulait visiter la ferme et j'ai dit de payer 50 dollars. Numéro, s'il te plaît, ah ouais, attends, je te le airdrop. Oui, vas-y. Oh, ça me garde. Dupont et Dupont. Hop. Ouais, ouais. Et même, regarde comment c'est beau quand il pleut. Là. La montagne qui coule comme ça. Oh yeah. Et les oiseaux. Nickel, merci beaucoup. Vache. Tu me l'as donné? Le dernier. Oui. Bah attends, je t'envoie. Je sens tellement. Hein? Tu sais airdrop? Attends, je cherche. Tu glisses ton écran du haut vers le bas et tu fais par le Bluetooth. Le Bluetooth. Ah. Du pun et du pun. Ah ouais, c'est bon. Hop. Nickel. Voilà, c'est bon, on monte ça. Ouais. Merci. De rien. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Futur chéri, ah, ça promet. Ah bon? Ouais, bon, du coup, vous voulez travailler là, c'est ça? Ah ouais, elle nous a proposé ta soeur. Bah attendez, je vais vous faire signer les contrats, venez. Ah, bah, venez, on va faire les contrats. Allez, parce go. Que le monsieur, là, il est en train de chercher les prix des cisailles et des sauts. Allez-y, monsieur Salvador, ne soyez pas timide. T'as monsieur Salvador avec ses chaussures à pointe, là, il faut choisir ça. Oui, monsieur... Quoi ton nom de famille? Monsieur Méli. Méli. Ouais, voilà. Du con et du con. Ici, donc, un par un, s'il vous plaît, venez. Faites la queue leu. Ouais, du coup, bon. Moi, je préfère être en bout de fil, moi. Ta petite flèche de... Ta petite feuille, plutôt, pas flèche, qu'est-ce que je raconte, de contrat. Ouais. Elle est con, elle. Salvador le polonais. Les Mexicains. Tu me dis quand tu okay. mets sur... Oh. Est-ce que t'as signé? C'est bon? Ah ouais, parfait. Voilà. Nickel. Normalement, t'as un petit fermier, là. Ouais, c'est bon, signé, approuvé, tout est carré.
Ok, parfait. Voilà. Il est trop mignon. Angelo. Oui. Bouge tes fesses, viens. Alors du coup, tu as ton petit papier à signer là, sur ah mais tablette. Je lag. Ouais, voilà. Hop. Voilà. Faut que je bouge mes fesses. What? Non mais. Quoi? Ça va pas. Ça va nous, on vous parle pas quand même. Mais ouais, je ne me permets pas non plus. Bon voilà, mais du coup, vas-y Alexis, je te laisse expliquer un peu. Bien sûr, venez, on va commencer par la vache. Il faudrait commencer déjà pour aller faire une tenue, non, parce qu'on va pas travailler en... Ah non, vous inquiétez pas. De toute manière, il nous faut des seaux pour faire la vache. Voilà, mais on... On peut pas travailler du coup. Oui. Ne vous en faites pas, on va tout vous expliquer, venez. Elle est belle la vache. Oui, alors je vous présente Hailey. Elle est comme nous. Oh, c'est Hailey ça. Oh, putain, ouais, j'ai donné le même prénom. C'est Harley. Ah oui, alors Harley. Ou peut-être Valentin. Attends, t'as regardé, c'était une femelle. Valentin. Ah bah oui, c'est une femelle. S'il y a une va... s'il y a du lait, c'est une femelle, c'est ça, non? Ah, logiquement, oui, quoi. D'accord. Alors oui, bah c'est Harley. Et du coup, faut appuyer sur ses mamelons. Cet été pour que le lait sorte, mais il nous faut du seau. Il va falloir. Où on achète les seaux? Il nous faut des seaux. Bah, justement, bah, Louis, il est en train de regarder. Ouais, il regarde le là justement pour qu'on puisse en acheter. Elle y connaît rien, la ferme. Fournit, du coup, quoi. Exactement. Et la ferme, faut vraiment qu'elle tourne tout le ça temps. Ça va tourner 24-24, 7-7. Ouais, non, mais vraiment tout le temps. Parce que si on n'a pas de produits frais, on va pas pouvoir vendre les restaurations. Tu vas très Riley, ouais. Okay. Voilà. Après, on... Oh, à la meuglée. À la quoi? Hein, mais c'est vraiment con, toi. Non. La meuglée, n'importe quoi. Allez, où la petite poule, là? J'ai entendu que vous parlez d'une poule. Oui, il y a une petite poule, elle est trop mignonne, elle donne beaucoup d'œufs. Non, même pas. Regardez la dégaine de Hailey et Alexis. Après, après, on va pouvoir sortir les tracteurs et faire le tour du... Oh ouais. Parce que sinon c'est loin à pied, hein. Rip. Ouais, faut courir autrement, quoi. Oui. Bah vas-y, montre la poule, Alexis, je vais voir le monsieur. Elle est où la poule? Elle est là. Elle est juste derrière, là. Et là, je te présente Cocotte. Normalement, tu... Exactement, bravo. Wow. Ah, d'accord. Coucou, man, comment tu vas? Allez, vous pouvez ramasser. Allez, go, c'est parti. Vous bossez très bien, hein. Fier de vous. Ne regarde pas de travail. Non, y a pas aussi, de cochon. Donc, où? Mais moi, j'aime bien vous regarder en action. Ouais, on est sexy, c'est ça. Ouais. Sexy, raffiné. Ah, j'ai un 9. Tiens, je fais des squats. Aïe. Putain, j'ai une muscu. Vous aurez des... C'est ce que j'allais dire. Oh, un petit il y a juste une cochonne, Hailey. Et puis là, on va aller prendre un tracteur. Enfin, tous un tracteur et on va aller se promener en tracteur. Pour faire voir le reste. D'accord. Ça vous va, monsieur Mélie et Salvatore? Oui, c'est carré. Ouais. Impeccable. Oh, oui, madame Kowalski. Oublie pas de rouler la langue, s'il te plaît. Parfait, j'ai reçu. D'accord. Moi, Ivy. Enfin, pas nous, allez hop. On va te muscler du fessier. Non, mais c'est bon, on prend un œuf et après on va. Ivy, Lexi, non, ça va. Et ça fait quoi si je. Pas le pas le casser entre nos dents là pour ça voir si ils sont vraiment. Doucement. Vous avez de la chance, il n'y a pas d'embrouille, rien du tout, là on est très calme. Mais quand on est tous les quatre, des fois c'est le bordel. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Ah oui, merci. Vous connaissez Harley? Oui, j'avais vu avec c'est une vraie connasse avec son mec. Oui. Ouais, je confirme, oui. C'est une vraie connasse, ouais. Oui. Je me permets quand même. Oh bah oui, permettez-vous. Hein. Pour ça, je t'aime bien. Ouais. J'ai vu faire fousser en moto à cause de... Ah bon? Ils ont essayé de me fousser en moto. Oh les bâtards. Ils ont voulu te tuer? Non, ils ont failli me faire fousser. Fouetter? Fauché. Ah, fauché. Ok, donc dans 30 minutes, on aura une réponse pour les cisailles et les seaux. D'accord, bah on a le temps de faire un tour en tracteur.
Oui, bien sûr. Du coup... Je vais ranger la voiture. Oui, vas-y, comme ça, on va pouvoir sortir les véhicules. Mais voilà, ensuite, on va aller voir... Merde, elle est trop loin. La récolte de blé, la récolte des pommes... Et la récolte du lait aussi. Ouvre la fenêtre pour voir Lexi. Mais y'a un problème. Ah. Vous allez voir les tracteurs, ils sont trop mignons. Je pense que c'est à toi de la ranger. Si vous qu'on pose toute la marchandise après là. C'est à qui? C'est à moi? Ah oui, ouais. Tu lui as montré le coffre? Non, ah venez. Non, je sais pas où c'est. Bah, suivez-la. Parce que j'ai déjà 3 œufs dans la poche, hein, nous, mais on... Ouais, faut faire attention de pas les casser. Hein. Ouais. Ouais, de pas les casser. Ah oui, bien évidemment. Ah, je lag, putain. Ah, évidemment, bah oui. Bah oui, évidemment. Ça me saoule, j'aime pas les lives comme ça, là. C'est ici, là. Et voilà, allez-y. Hop, j'ai posé mes petits œufs, mes petits œufs. Trop mignon. C'est bon, monsieur Salvador? J'aurais tellement aimé vous dire oui. Ah! Mais il est cassé l'œuf là que j'ai. Oh non! Je sais pas, il est bien présent. Non, c'est une valeur sentimentale. J'ai pas envie de me séparer de lui. Ok. Le premier œuf sorti par le cul d'une poule, y a pas de souci, je comprends. C'est l'œuf ou la poule en premier? Je réfléchis. Qui est sorti? Réfléchis. Voilà. Bah oui, l'œuf ou la poule en premier? Bah, la poule quoi? Et comment elle a apparu? Bah, c'est sa mère qui l'a mis au monde. Mais non, mais comment? Ah, bah non, c'est l'œuf! Bon, ça va? Comment l'œuf est arrivé? L'œuf ou la poule? Je sais pas moi. Bah, c'est la poule en premier. Je like. Bah oui, c'est grâce à l'œuf. Bah oui, mais comment elle a apparu l'œuf? Grâce à l'œuf. Bon, tu commences vraiment dessus là avec tes blagues de merde. Hein. Commence pas, Angelo. Oh, t'es aigri, vraiment hein. Pourri. Non, t'es aigri. Hein. Je m'en fiche. Je dis ce que je pense. Aigri. Je suis désolé. Tu me donnes mal au crâne avec tes deux à la poule. Sois le désolé. Il n'y a pas de problème. Bon, je sors un tracteur. Oui. Ouais. Angelo aussi, normalement, tu peux prendre un tracteur. Normalement. Oui. Va. Angelo, tu vas aller en... Ah oui, c'est vrai. Costume comme dans la boue. Non, au pire, on va aller faire vos trucs après. Bah, avant, je vais leur montrer les récoltes. Ah oui. Louis, monte avec ma soeur. Ouais. Il n'y a pas de place. Faut que tu le prennes. Ah merde. Lexi. Comment ça, je dois le prendre? Ouais, tu le prends sur le truc là. Sur le truc. Quoi? Où que ça sort des trucs? Ici? Mais non! Mets-le derrière toi! Mais oui, tu me prends siège. Avec toi, tu vois. Oui? Derrière toi. Tu me prends derrière toi. Attends, je me décale. Par contre, j'espère que tu vas pas faire d'accident. Ouais, mais attends. Ça va ou qu'il fait bien? Ouais, fermier? Carrie-moi. Ah ouais? Oh. Mmh. Incroyable! Tu arrives. Oh lolo. Je sais pas comment te le dire. Tu me caries, tu vois, tu me caries. Oui, mais. Y'a pas de E. Alors c'est un I. T'as pas besoin de réfléchir. Attends, tu mets. Bouge pas. Je vais te gifler. Mais. T'en es marre de me faire. Ouais, bref, tu monteras avec quelqu'un d'autre qui sait faire. C'est elle trop. Ça m'énerve cette sœur, elle est incroyable. Après, on peut parler de moi. Ouais, mais elle est
con, hein. Regardez. Bon, vous pouvez porter le petit de... Ça fait là, 16 ans, hein, c'est ça? Y a quelqu'un qui pourra le porter, s'il vous plaît? Parce qu'il est trop lourd pour moi, j'arrive pas à le porter. T'es contente, Lexi? Ouais. Tu m'entends bien, là? Ouais. Vas-y, Lexi. Je te suis, moi. Faut que je change la touche de la vitesse. Parce que... Regardez tous les tracteurs. C'est parti. Oh là, mais... C'est pas roulé là. Rangez-vous. Un mariage tracteur, tu sais. C'est trop putain, mais on a toujours des idées folles, nous. T'as un sacré problème. Quoi? Ouais? Non, c'est toi. Ah non, c'est toi. Non, non, c'est toi. Non. C'est quoi qui vient là? Ah ouais, non, c'est... Ouais. Alors, les récoltes. Ici, là, on va pouvoir récolter des pommes qu'on aura les cisailles. Ah, il faut des cisailles. Ouais. Ah oui, bloqués, là, du coup, là. Ouais, là, on est grave bloqué. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que faire des. Viens, Louis. C'est pour ça que c'est important qu'on ait les seaux et les cisailles, vous voyez. Exactement, t'as compris, Louis. Il y en a partout pour écouter. Arrêtez, hein, c'est pas y a de ma faute. Beaucoup voilà. Ouais. Ensuite, je vais vous montrer. Dans la ville, un tracteur. Mais cours! Ah là c'est mieux. Oh putain. J'en peux plus. Mais ils sont où? Non, c'est de l'autre côté. Non. Mais ils sont où, frère? Ils sont là. Ils sont où? Je sais pas, c'est quoi? Quoi? Il est où? Mais t'es où? Je l'ai écrasé? Non. Ah ouais. Elle est en dessous. Oh putain, j'ai l'autre en dessous. Merde, attends, je recule. Oh non. Angelo.
Oh putain, non. Non. Fais le tour, abruti. Aïe. Fais le tour. Angelo, moi je peux pas t'emmener à l'hôpital. Attendez, je vais mentir. C'est trop. Ah merde, c'est pas Ellie que j'appelle. Je suis trop con. Pourquoi j'ai appelé lui? Allô? Ouais, Obi, Angelo, il s'est fait écraser par quelqu'un. Quoi? Oui, on est dans le camp de ferme, là, avec les tracteurs, et il y a une voiture qui l'a écrasé. Aïe, aïe. Venez vite. On arrive. Il y a le SAMU, vite. Raccroche. Raccroche. T'as pas raccroché, putain de merde. Merde. Allô, ouais, toujours. Oh, putain. Putain, c'est quoi ce téléphone de merde, il m'a pas raccroché. Bonjour monsieur, il y a un monsieur qui a écrasé ce monsieur là. Quel monsieur? Bah il est parti. Ah. Je peux pas raccrocher. Mais non. Vous connaissez, vous, Julien, vous avez dit tout à l'heure. Casse les oreilles. Ah bon? Dites-moi comment on fait pour raccrocher? Allez, je sais pas, au niveau de la ferme là-bas, je crois. Comment vous expliquer? Il y a Angelo qui s'est fait écraser. Vous le levez. Vous voyez sur votre téléphone, vous avez une petite flèche haute. Ah oui, c'est bon, Obi. Ouais. Voilà, bah du coup, mon ami s'est fait écraser par cette voiture-là. Oui. Celle-là. Oula, attendez. Oh non. Bon, bref, vous avez rien vu. Et après, le monsieur, il est parti en courant. Comment elle assume pas. Ok. Voilà. Il y a un monsieur dans la voiture noire, il a écrasé Angelo. Et après, j'ai voulu faire peur au monsieur, il est parti en courant. Il est comment? Il était con. Et ce monsieur Angelo, il est où? À vos pieds. Ah bah, je vois pas, c'est ça. De l'autre côté, voilà, ouais. Stop. Moi, je le vois, il est là. Apec. Vous voulez le porter, peut-être? Ah ouais, c'est le porter, je le porte. Bougez pas. Ah, c'est bon, parfait. Vous le reposer. Oh là là, il a l'air d'avoir l'épaule de cassé, hein. Est-ce que monsieur, vous m'entendez? J'ai roulé de partout. Aïe, aïe. C'est le métier qui rentre, mon petit garçon. Tranquille. Ça va aller, Angelo, ça va aller, hein. C'est pas moi qui l'a déboîté, c'est le monsieur qui était dans la voiture noire là-bas. C'est pas arrêté ce bâtard là, non mais. Est-ce qu'il compte super? Angelo, c'était un con. Oh, oui, je vous entends, oui. Oh, non, monsieur. Monsieur, vous avez mal, ou? Ouais, je suis pas trop là, j'ai. Ça va tes os, ils sont pas brisés? Vous ressentez où la douleur? Là sur mon torse, là c'est des cailloux là sur mon torse, ça va gripper. Très bien, c'est votre douleur entre 0 et 10. Et là combien votre douleur? Ça dépend, je dois faire le vaillant ou pas monsieur? Bah, ça dépend de vous. 0 c'est pas mal. Je suis pas vaillant. Oh pardon! 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 La vérité en tes os. 4. Blessure, il se passe quoi? Une petite blessure, il a fait sur... C'est pas une très grave. On va vous emmener à l'hôpital, monsieur. Ah oui, oui, faut l'emmener. Ah oui, d'accord. Et on va faire les soins sur place, ok? Oui, d'accord, je comprends. Allez, venez avec moi. Vous voulez que je vienne? C'est comme vous voulez. Je vais l'accompagner pour éviter qu'il soit tout seul au cas où s'il faut un tuteur régal. Bisous aussi, le temps Ok, hein. Bisous. Ouais, ouais. De toute façon, ça change pas. Ah, si tu es sur un mec, elle. Des super collègues. Oui. Ah, je un peu jalouse l'une d'entre elles. Oui. Ah. Voilà, Mohamed, comment tu vas? Moi, ça va, merci. C'est trop, je l'ai buté, je l'ai même pas assumé.
Le temps qu'il fasse ses examens, j'irai fumer vite fait ma clope, si c'est pas trop long. Mais ce qui est bien dans le nord, c'est qu'on a l'hôpital à côté. C'est génial. Ça ressemble trop à une petite maison médicale. Ouais, c'est reparti pour l'hôpital. C'est la... troisième ou quatrième fois. Salut, t'as rencontré qui et tu fais quoi depuis que t'es arrivé sur Fantastic? Bah, j'ai rencontré mes amis. Enfin, re-rencontré. Allez, descendez, monsieur. Et puis je fais mon RP. Hein. Oui. Prenez une carte de fidélité. Mais oui, on va le faire. Bonjour, monsieur. Ah, mais vous êtes encore là, vous, là? Oui, en fait, il me faudrait une carte de fidélité, s'il vous plaît. Alors, attendez, je note ça. Malheureusement, on n'en a pas encore. Vous allez en faire? Je sais pas du tout. Au bout de 10 tampons, on a une chambre gratuite, au cas où s'il y a une hospitalisation. 10 tampons, si vous voulez, vous aurez une pomme gratuite. Ça. Pas de tampons pour les règles, hein. Tampons à mettre sur la carte. Hein. Oui. Ah, ok, je préfère préciser, on sait jamais. Ah, pas de soucis. Ok. Bah, mon ami s'est fait écraser par un monsieur, et du coup, bah, je venais l'accompagner. On sait jamais s'il fallait un tuteur égal ou légal ou illégal ou je sais pas quoi. Ah, pour, qu'il est mineur. Non, c'est moi qui est mineur. Ah. Elle est cool, ex. Bah, c'est vous qui conduisez, j'imagine, non? Non, c'est pas moi qui conduisais. Ah. Je conduisais mon tracteur, il s'est fait écraser par une petite voiture. Ah, vous êtes mineur et vous conduisez un tracteur? Oui, je conduisais un tracteur. Faut faire attention avec ces gros engins. Oui. Oh, le tracteur. Ah, du tracteur, ah oui. Oh, moi aussi, justement, oui. Oui, le tracteur, oui. Oui, le tracteur, oui. Vroom, vroom, vous pensez pour autre chose, hein? Non, non. Non, non, ok, très bien. Alors, du coup, on se met d'accord qu'au bout de 10 tampons, j'ai une chambre gratuite en cas d'hospitalisation. J'ai une inter, Oui, on verra ça, oui. Ah non, mais c'est même sûr. Bon, allez, je suis la cliente la plus fidèle. Bah, on verra ça. Vous pensez que je peux y aller en consultation avec le monsieur? Enfin, mon ami? Allez-y, venez. Oui. Bonjour, je viens vous aider. Bon. Vous avez besoin de quoi? D'un scalpel? À scapé. Quoi? Ah non, pardon, désolé, je voulais me mettre dans votre rôle. D'accord. Ben, voilà, c'est bon, parfait. S'il te plaît. C'est bon, parfait. De quoi, Alexis? Angelo? Pardon. Ah, ils sont débiles. Hein. Ah, c'est bon, vous pouvez repartir, monsieur. Comment ça, mais... Et il a quoi? Ouais, il a des petits cailloux, j'ai désinfecté. Ah, et vous lui avez mis un pansement Batman? Ah, un bandage. Faut qu'il fasse attention. Ok, je ferai attention, voilà, à lui. Faut faire attention. Ok, promis. Donc voilà, c'est parfait, il a mis la facture, c'est parfait. D'accord, ouais, c'est je tiens à vous signaler que vos collègues, au bout de 10 tampons sur la carte de fidélité, on a une chambre gratuite au cas où c'est une hospitalisation. Ah, j'étais pas au courant de ça. Ben, okay. Ils vont vous mettre au courant prochainement. Ok. Parfait. Ouais, c'est normal, je crois qu'il y a un bug du mapping. Parfait, voilà, allez, bah merci beaucoup, monsieur. Allez, bon courage, merci à vous. Merci beaucoup, monsieur, au revoir. Ah, vous vous appelez Parademic? Non, je m'appelle Mathéo. Ah, ok, bon, toutes mes excuses. C'est pas grave. Mais pourquoi c'est marqué Parademic derrière votre veste? C'est mon travail. Ah, oh c'est merde. Paramédic plutôt. Bah si, paramédic. Ah. C'est pas dire. bon d'accord. Parler, monsieur. À vous aussi, monsieur. Au revoir. Ah, bon, oula, bah, on va pas allez, les amis. Allez, rentrez dans la. Ça va, Angelo? Oui, ça va. Oh là là, il était dangereux, le monsieur. Le monsieur, oui. Le monsieur. Oui. Oui, le monsieur. Monte devant, t'inquiète. Ah bah non, monte derrière. Ah bah monte. Panoramix, ouais. Y'a rien qui va avec Lexi. Avec son tracteur. Trop mignonne. Non, stop, quand même. Attends, arrêtez-vous, vite fait. Attends, on doit pas sortir vos billets. Faites demi-tour, vite fait. Quoi? Mmh.
Non mais. On recommence avec ses carcasses là. Il va se faire écraser. Il se passe quoi? Tu vas pas partir? Oh! Mais c'est un flingue! Oh, je vais me faire tu penses coup. Qu'on devrait appeler la police? J'essaie de le récupérer, tu arrives pas. Mais merde! Non. Vous avez besoin d'aide, vous? Prends-le. T'arrives à le prendre? Non, c'est un problème, c'est un... Oh non, il est allez. Trop beau. Tu voulais le fusil, toi? Ben ouais. En plus, j'aurais pu le mettre dans mon sac à dos, moi. Bouddha. Oui. Bouddha. Putain, de merde. Tu connais Aladdin, avec son... Au pied, au magasin de vêtements. Et il doit être en train toujours de te changer, donc... Aladdin. Il est babadi. Magasin de vêtements, t'as dit. Magasin non, de non, vêtements. Non, c'est bon. Il va t'appeler, il t'appellera. C'est ici, hein. C'est. Oula! Et voilà! Ah, merci, voilà. Tizia. Ah, merci. Elle est où, ma soeur? C'est bon, tout est réglé, tout est réparé, tout va bien. Ah, ben c'est parfait. Du coup, moi j'ai rangé tous les tracteurs là. Oh, t'es trop mignonne, merci. Merci beaucoup, ouais, c'est gentil. Vous me foutez trop le bordel là, ça va pas trop le faire, moi je vous le dis. Hein. Ouais, faut nettoyer. Oui, c'est vrai, il y a trop de bazar, je confirme. Oui. On a commencé à balayer. Si c'est pas rangé correctement, la prochaine étape, on enlèvera quelques dollars à votre paye. Oui, voilà. Et quand on dit ça, on rigole pas. Non, pas du tout, on est très sérieuse. T'es sûr, Lexi? Ouais, très sûr. Ouais, bien sûr. Sûr de... Voilà, ça sera tout pour le moment. Il est où, Obi? Ouais, il est où, Obi? Il est au magasin de vêtements. Bah, je sais pas, on m'a foutu un coup de pare-choc là. Ah, mais venez, on va aller là-bas. Un coup de pare-choc. Mais non, c'est le monsieur. On va ressortir oui, son c'est tracteur. Le monsieur, oui, c'est le monsieur. Oui, c'est le monsieur. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr ouais. Et bah, la sultane marque trop. Elle a un problème de non, moteur. Non, c'est le régulateur. Non, le régulateur est déréglé, mais... Ouais, hein. Il est parti au magasin de vêtements. Il a dû y aller avec son tracteur. C'est pas moi qui roule là, c'est Heidi. Oh, elle l'a touché. Elle est pas mal cette petite voiture quand même qu'on a là. Ouais, j'aime trop. Ouais, ouais. On pourrait y cacher un cadavre dedans. Mais c'est pas une voiture pour faire du béton normal. Oui, ça sera pas mieux avec Heidi. Ça me fait penser à des voitures pour le béton, enfin des couleurs de béton là. Moi tu sais déjà faire des choses. Aïe! Oh merde! T'es trop à l'hôpital! Oh moi c'est bon, hein, je vais pas à l'hôpital. Ça va Alexis? Oui, ça va, t'inquiète. Je me suis pris juste la porte dans la gueule, mais tout va bien. Bon bah c'est parfait. Hé madame! Bonsoir! Bonsoir mademoiselle! Ah bonsoir! Ah vous allez bien? Ah, mais c'est vous que j'ai rencontré c'est moi, tout à l'heure. Votre voisine. Enfin, hier plutôt. Oui, votre voisine. Oui, Lexi se présente. Bah, bonjour. Notre voisine. Bonjour, moi je suis Lexi. Eh ben, moi c'est Lola, enchantée. Enchantée. Elle est allée dans son territoire, bah... elle est en train de s'habiller. Oh, pardon, excuse-moi. Cochonne. Bah. Elle est belle. Ouais, hein, c'est Yunra. Qui, moi? Tu pourrais la pécho. Ah, mais c'est toi qui es lesbienne. Je suis désolée, mais madame, je peux pas vous regarder parce que je regarde ma veste. Ah, ben regardez. Ah, bah elle est très jolie en plus. Mais j'espère oui, pas, ça vous va très bien. J'hésite. Faut pas hésiter dans la vie, faut tout prendre. C'est vrai, vous avez raison. J'aime bien ce côté fluo. Oui, le vert vous va très bien, je trouve. Ça ressort votre bronzage? Oui. J'aime le vert. Ah, pardon. Oh, ben c'est pas grave, tu sais, y a pas de problème.
Ah, je lag. Je vois encore, putain. Ah ouais, t'es en mode tenue là, Obi? De quoi? T'es en mode tenue? Ah, là, je suis en mode fermier. Fermier. Hein? Ah bon? Ah non, moi je suis pas d'accord. Ah, fermier de la street, hein. Ah, fermier de la street. Ouais, ça lag, je sais pas ce qui se passe. Quoi? Personne m'a vu là, je vois rien, bâtard. Oh. Mais il mettra une salopette comme tout le monde, c'est tout. Mais pourquoi tu m'insultes? Quoi? Oui. Il faut mettre une salopette. Quoi? On rigole pas, sinon c'est viré sur le champ. Comment ça, une salopette? Une salopette. Allez, Obi, je suis sûr que tu seras trop mignon dans la salopette. Oh non. Ah si. Oui, Obi, tu seras trop mignon bien dans la salopette. Salopette obligatoire, bah quoi, c'est ça. Après, vous avez voulu travailler dans la ferme quand même, hein. Puis imaginez, vous ramassez un œuf où il y a du caca dessus. Faut s'essuyer sur la salopette, pas sur vos vêtements. Et un pantalon de travail, c'est pareil. Non, on n'est pas chez les soudeurs. Quel rapport? Je lag, j'aime pas ça. Je sais même pas où... Il n'y a pas de salopette dans ma tête. Qui se fout comme ça, là? Ouais, ouais, qui c'est qui est pas content? Ouais. Non, mais c'est... C'est encore toi? C'est ma peuf. Ah, ok. C'est ma quoi? Ma peuf? Ma peuf. Ouais, la vaporette, ah, oui, là. Ouais, oui. Bah oui, c'est ma peuf. Comme ça, là, je suis enfermé, là, regardez. J'ai le droit. Hein. Oh, regarde, là, il est Obi, il est tout mignon. Vous en pensez quoi, là? Ah bah là, on dirait un vieux petit papy. C'est à cause de vous que je suis en papy maintenant. Avec... Avec, tu sais, ces élastiques là, comment ça s'appelle? Des bretelles. Des bretelles. Ouais, tu peux mettre ça, c'est très bien. Ouais, dans le magasin, c'est trop. Ah, je pense que tu trouveras pas un pantalon. Hein. Ils sont longs. Ouais, désolé, mon mari est encore malade, il tousse beaucoup. Je vais faire un petit tour dans la voiture. Oui. Il fait trop chaud ici. Je me mets en voiture. Les gars, je vais fumer vite fait. Je reviens très vite, dans 2 minutes, d'accord? Je me dépêche. A tout de suite. Restez là. C'est bon là, je suis bien ou pas? Oui, c'est très bien. Faut voir avec Lexi après. Hein. Mais oui, c'est bon. Oh, je suis moche, merde. Mais après, faut que tu sois à l'aise, hein. Obi, faut que tu sois à l'aise. Ouais, je suis bien là. Okay. Je suis à l'aise. Contracté, tranquille. Aïe, 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 aïe. Aïe, remonte aïe. Avant que je te balaye là. Ça m'a fait mal. Faut vraiment qu'on ait les cisailles. Les cisailles. Putain, pourquoi je dis ciseaux à chaque fois? Non, mais pas de meilleure réponse là. Les cisailles et les seaux. T'as quelqu'un à la radio, s'il vous plaît?
T'as toujours le même qu'on attend, quoi, plus tard. Ouais. Après, il essaie de se faire beau gosse, mais bon. Il est pas si beau que ça, donc ça va être un peu compliqué. Ouais. Ah, coup dur. Bah quoi, c'est la vérité. Chacun ses défauts après, hein. Bon, oui, après, parfait. Oui. Hein. Moi, je sais que je suis très belle et bonne. Bonne. Mais c'est quoi son défaut? Mes défauts, c'est que je dis tout d'un coup. Ah. Je garde pas les choses en moi, ouais. Oh, mon défaut, je sais pas en fait, c'est quoi comme défaut. C'est quoi tes défauts, toi, Obi? Je sais pas, en vrai, je sais pas. Ah. Aucune bon idée. Et tes qualités? Ah, si, mes défauts, c'est que je perds mon sang-froid des fois. Je m'emporte un peu, quoi. Ah ouais. Ouais, t'es un peu comme ah, moi, ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et qualités, en vrai, j'ai pas trop de qualités. Hein. Ouais, ah re... bon, t'as pas de qualité. Bah, t'as... Pas, je sais pas, je sais pas. T'es un mec trop bien. Obi. C'est une qualité, ok. Oui, voilà. De quoi, gentil, c'est une qualité, voilà. Bah, tu le trouves bien, oui, ce mec. Ah ouais, moi, j'ai aussi trouvé une qualité. Hein. Ah bon? C'est pas du... trop mignon. Eh ouais. Oh putain, c'est pas une qualité, ça. Il y a eu un accident? C'est un défaut. Oh non, ah ouais, là, ça oh, ah, ouais, ouais, c'est vrai, on dit pareil. Plus grand, tu seras... Elle a dit qu'elle était bonne. Oh. Plus mignon, on va dire. Ils auraient des pecs et tout. T'as la même coupe qu'Angelo, quoi. Coupé au scalpel, là. Mais non, mais c'est pas une coupe. Votre il est où Angelo, en fait? Dans le magasin. Mais okay. Il est en train de draguer la demoiselle dedans. Mmh. Il cherche une femme. Une brosse à la place de ses yeux. Non, mais c'est un trou du cul, ce mec. Bon, je vais le chercher. Vas-y, dis-lui de se pêcher. Ah, il est Dragobi. Ouais, ouais. Quelqu'un aurait pas un sandwich, s'il vous plaît? Si, tiens. Je te donne. Je suis surbégé. Merci de ton follow, Ninja. Comment tu vas? Tu rigoles? C'est bon, on va m'appeler comme ça maintenant. Tu l'as appelé comment? Futur BG, bah ouais, parce que je suis un futur BG. Hein? J'ai prédit le futur. Ça va, merci. Ouais, attends, viens avec moi. Vas-y, j'ai pas envie de conduire, moi. Je vais aller chercher les deux, là. Avec une ceinture. C'est bon, Angelo? Non, je suis plus qu'une femme. Oh, en beige, comme ça. Comme moi. Après 10 ans. Attends, sinon je voulais un haut beige. Celui-là, il y a une autre couleur. Ah ouais? Angelo, t'as des guettes. Ah, beige comme ça, frère. Incroyable. Angelo, t'as des gains, j'ai jamais vu. Au fait, ça. C'est qui le jeune? Il n'était pas sur l'autre side. Si, il était là. C'est, en fait, c'était Steve. Après, il a eu une mort RP. Et il est parti sur Louis, un petit jeune de 16 ans. Juste devant ma tenue, je me gratte la tête, quoi. Aïe, aïe, aïe. Putain de merde. Bon, on y va ou quoi? Bah, on attend Angelo, hein. C'est le plus long. Ouais, c'est plus long, je suis arrivé en dernier, frère, ça y est. Impeccable, on y va. Ah, viens, Angelo. Oh non, pas ça, t'as fait la piscine, quoi. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il va fêter après la... Moi, je rigole pas, hein. On est au boulot, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, t'as pas tort. Remets-toi en question aussi. Mais c'est bon, calme-toi, meuf. Non, toi, calme-toi. Non, toi, calme-toi. Toi, calme-toi. Toi, calme-toi. Ouais. Plus c'est long, mais plus c'est bien. Bon. Mais bah, heureusement, attends, je suis ta sœur. Ouais, ouais, ouais. Regardez, Obi, il cherche. J'en parle mes mots, putain. Il est trop drôle. Mais allez-y, partez, je vous rejoins, c'est bon. Bah non. C'est moi faire ma tenue. Eh, par contre, baisse à ton, hein, on a rien dit. Oh! Andizo, t'es parfait comme ça. Incroyable. Un petit papillon. Ah, tu viens de prendre bonsoir, 40 ans. Impeccable. Excusez-moi.
Bonsoir. Oui, oui. Oups, pardon. Waouh. Ah oui, quel look d'enfer. J'ai une dégaine. Ah. Dégaine, t'as peu. Ah oui. Ah, ça lui va super bien, moi, je trouve. Voilà. Je vais faire, un petit style un peu... Ah ouais, ça vous va bien. Ok. Incroyable. Merci, c'est gentil. Vous aussi, vous êtes récente avec vos petites combinaisons. Oui, non, mais c'est juste votre tenue de travail. Ouais. Ah bah, je trouve ça joli. Merci. Ah bon. Pourquoi vous n'avez pas fait ça rose comme votre tracteur rose que j'ai vu hier? Ah bah... elle a pas voulu. Ah, je trouve ça dommage, vous voyez. Non, c'est moi qui t'avais dit et tu m'as dit non. Non, du tout. Je t'ai dit un genre de baise rose et tu m'as dit non, marron, il est plus joli. Parce que moi, je voulais être assortie au tracteur. Bah ouais, mais moi pareil. Et tu m'as dit marron, il est plus beau. Hein? Du coup, j'ai été le chercher dans le rayon. T'es sérieuse? Bah oui. Ouais, bien. Bref. Bref. Oui. Du parfait. Coup, voilà. Au garage tout à l'heure pour boire un verre. On a un bar au premier étage. Ah, parfait. Je vous invite. Ça me fait plaisir. Gratuit. Ah, ben, merci. C'est oui, gratuit, oui. Ah, super. Ça m'arrange. Ah bah parfait alors. Bah arrête. Oui, pardon, désolé de ma politesse. On vous ramènera des œufs. Des œufs, oui, de notre poule. J'adore les œufs. Ah bah nickel. Vous pourrez vous faire. Moi j'aime bien les gobés comme ça. Les œufs durs. Non, les œufs, je... non, les gobés, je fais un petit trou dans la coquille et je... Comme ça. Il me dit. Oui. La troisième sœur, elle est pas encore là. De quoi, Bi? En direct. Tu fais à la paille ou direct au contact Direct, avec l'œuf, je le lave avant et je mets tout dans ma bouche. Vers quelle heure on doit venir C'est dégueulasse. On peut... Je sais pas, vous avez du travail, là? Ah, je like. Bah, justement, on attend le patron pour acheter des trucs. Ah, ok. Vous lui avez donné rendez-vous à quelle heure? Bah, justement... Yonra, c'est une des meilleures joueuses RP que je connaisse. Ouais, elle est cool. Elle est bien, elle joue bien. En otage. Non, pas en otage. Ah, ok. Non, il est pas en otage, mais voilà. Génial. Et bah, nous, on y sera. On peut se dire, je sais pas, dans une 30 minutes. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, carrément. Oui, le temps de faire sortir les œufs de la poule, tout ira bien. Ah, super. D'accord, bah, génial. Bah, pas de problème. Bah, à tout à l'heure, mademoiselle. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On a invité. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Et nos voisins à la ferme. Ah, c'est eux. C'est qui? C'est nos voisins à la ferme. C'est nos voisins de la ferme. C'est le garage. Merci de ton follow à YRL TV. Comment tu vas? Bienvenue. Eh si, le cyber, je sais pas quoi là. Ah oui, le truc qu'on a vu hier. Ouais. Il y a un garage à côté. Ouais, très beau. J'ai même pas vu. Bah allez, on y va, vous allez voir. Vous êtes prêts, les gars? Vous êtes trop beaux, les mecs, hein? Ouais, prêts. Ouais, ça, je le savais depuis longtemps. Ouais, mais... ça se bagarre! Vous êtes tous là? C'est bon? You, Obi? Oh, déjà, c'est moi ou t'as perdu des cheveux? Qu'est-ce que je peux dire? Obi! Ah oui. Tu as perdu des cheveux là? Non, on a perdu Obi? Mais non, il est dans le coffre. Ah, ok. Je crois qu'il est dans le coffre, Obi. Ah! T'as perdu beaucoup de cheveux là, honte de nous là. C'est bizarre que je lag, hein. Autant comme ça? Non, c'est pas possible. Peut-être parce que je découvre la map et qu'il n'a pas été encore chargé correctement, mais. Oh, trop bien, ils m'ont dit merci avec les girafes. Oh, ils sont trop mignons. C'est ici, regarde, à gauche. Ah oui, ok. Pourquoi il y avait les flics à notre ferme? Ok, donc ils ont vraiment un problème, les flics. Moi, je vous le dis. Ouais. Quand vous dites Obi, on dirait que vous appelez un chat. Non, il est trop bien son prénom. Je kiffe. Voilà, on est arrivé. Salut Harley, comment tu vas? T'es trop mignonne. De toute manière, les gars, non? Ouais, moi je vais faire des œufs.
Ok, bon, go faire des œufs. On va tous faire des œufs ? Bah ouais. Ouais. Bah oui, faut qu'on en ramène. Oui, à la dame. Mais elle m'a pas dit son prénom. Je sais pas. Ah si, je crois, mais je me rappelle plus. Lola ? Lola. Pas du tout. Quoi ? Ah, ok. On va pas lui grimper dessus, la poule, quand même, la poule. Oh là. Allez, on ramasse. Oh, bah moi, je me mets à côté du petit, je vais les regarder. C'est trop, les gars. Comment il ramasse, hein. C'est Lola. Non. Et ramassez très bien, hein. Cassez pas un œuf, hein. Bah, viens nous aider. Je vais pas lui grimper dessus à la poule, vous êtes déjà trois. Et il y a deux poules, tu vois pas. Des patrons de... d'ici, en fait, c'est... Ouais, Ellie, tu vois pas, il y a deux poules. Oui, c'est ça. C'est... Ah, c'est ça. Moi, ma sœur et mon frère, parce que j'ai pas de nouvelles de l'autre sœur, donc voilà. Ah. Ouais. Ouais, c'est nous. Du coup, ouais, c'est ça, c'est Lola. Ski, on va dire. Ouais. Merde. Noix, regarde, j'ai des œufs là. Voilà, tout à fait. On est vraiment pas mal. Oula, je vais peut-être manger un peu. Après, si vous avez des choses à faire, allez-y, hein. On va pas vous retenir, monsieur. Ah non, moi j'aime bien. J'ai rien à faire. Hein. D'accord. Non mais... Mais du tout, c'est pas nous. Non mais... C'est trop. Hop, un œuf. Parfait. Waouh. Oh, oh, oh. Ah oui, bah dis donc. Il faut les bruitages. Oh, un œuf. Waouh. Wow. Ça doit être serré, hein, à l'intérieur. Ah ouais, t'as vu le bruit. La poule doit avoir le cul bruit. En feu pour à... oh. En feu à faire tous ses œufs. Note pour l'enquête. L'enquête des triplettes. Normalement, il devrait pas tarder. Ouais, ça fait bien. Il y a quelqu'un là, Radou ? Non, personne. Ouais, bah à mon avis, on attendra. Enfin, notez, notez, ça non, peut non. Servir pour l'enquête, hein. Notez, on sait jamais. Peut-être que dans leur bon, passage, après, ils ont eu un problème avec le cul de la poule ou... On va pas pouvoir vendre nos produits au resto. Et on lui donne une grosse barquette ou une moyenne ou une petite? On lui donne une bonne barquette. Une j'en ai 8, bah vas-y, j'en cueille 2 et c'est bon. Ouais. J'en ai viens ici la poule, viens ici la poule. Les sœurs pondent des œufs, ils sont forts et scientifiques. Elles font des œufs carrés en plus. Comment ça, des œufs carrés? Ah, je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Hop. Je sais ce que je vais faire, moi aussi. Oh, de la lumière! Je vais envoyer un message. Ça nous éclaire. Je vais envoyer un message. J'ai pas pensé. Ah, ils sont pas disponibles. Putain, mes doigts, ils veulent pas se craquer entièrement. Grave, on attendra, ne vous inquiétez pas. Aïe, aïe, aïe. En triangle, ah ouais. Elles sont fortes, tes triplettes, hein. Moi qui pensais bosser tard ce soir, putain. Dans la nuit. Comme ça, là. Bon, bah, elle veut plus m'en donner, hein. Elle veut plus m'en donner, cette poule. Ben, ça va être 8. 8 ? Ben vas-y, mets-les dans le coffre au pire. Ah, des barquettes de 8, impec. Oui. Ailey peut faire la lumière avec son bras. Je note. Attendez, je vous aide les garçons. Vous en avez ramassé combien là ? What the fuck ? Sérieux déjà ? Vous ramassez combien de kilos d'œufs? Mais moi j'en ai ramassé 8. Je crois qu'on peut pas faire plus. Allez, tous sur la poule. Oula, je suis entre vous, hein. La poule au bout d'un moment. Ouais. Ouais, la pauvre, je lui tire le cul comme pauvre ça. Pauvre poule. Oh. Ah, doucement, il y a, c'est la seule qui nous reste, hein.
Oui, je sais, mais... On va acheter d'autres plus tard, pas grave. Ouais. Si on n'a plus d'œufs, après, on est dans la merde. On a usé nos économies pour cette ferme, n'oublie pas. Mais oui, puis la poule, elle m'a coûté cher, hein. Donc, entre la vache et la poule... Ouais, ouais. C'est cher, hein, moi, je vous le dis. La pauvre, elle, elle va mourir. Ferme, bah, ça nous a revenu le peu, pire, c'est pas une poule, c'est un coq. Ah bon? Mais non, un coq, ça pond pas d'œuf. T'es con. Oh, quel crado. Désolé. Ah, mais c'est pas grave, petit. Si c'est tu veux, tu peux jouer dans la gadoue, hein. Non, mais c'est bon aussi. On installe. T'as quoi, t'as 16 ans donc. On ira installer un toboggan. Salut Kill, comment tu vas? Bah oui, moi ça va, merci. Mais oui, c'est un bébé, ils sont trop mignons. Mais oui. Bah Angelo, tu fais quoi? T'as un problème du cul, Angelo? Tu veux pondre aussi? Non, non, ça va, ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, bon bah ça va, là. vous voulez pondre? Ah, c'est trop. Non, ça va, j'ai pas envie de pondre. Je suis encore jeune. Moi, je veux bien pondre. Hein. Surtout vierge. Non, toi, t'es encore trop jeune, petit, pour pondre. Ah, mais bah, vous inquiétez ou pas. Ah, c'est déjà fait. Non, ah, c'est quoi? Il a des hémorroïdes, ouais. Ah, ouais, c'est déjà fait, il a dit. Pas que sa soeur, sûrement. Ah, ouais. Il voulait essayer. Mais non, ah, mais bon, il est consanguin? Je sais pas. Ah. C'est en République Dominicaine, moi. J'ai l'habitude là-bas. Sous le Michael. Si t'as l'habitude, bah, grand bien que te fasse, hein. Ali, il rigole, oui. Grand bien te fasse, mais t'es dans l'ancien temps. Et alors, ça te dérange? Ah non, du tout, j'ai trouvé ça sexy. Ah. Laisse-moi tranquille. Oui, pardon. Je suis zen, tranquille, je gueule pas, donc commence pas. Aïe! Non, pas, ça va pas, j'ai pas fait exprès. Merci, Andy. Non, si t'as fait, si tu l'as fait. T'avais une... Aïe! La mouche de la vache. Ouais. Ah oui, bah merci alors. C'était la mouche de la poule. Ah ouais, merde. Tu vois quand on fait. Oh là 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 là. Oh là là. De quoi? C'est qui? Bah vous partez de là ou voilà, je vais vous mettre un coup. Allez vite. Vous savez les gars là, on se calme. C'est bon les gars. Ils s'appellent Groot. Et on se calme mon gars là. Pour quoi pour le ton schlasse. Oh là 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 là, je me sauve. Vous êtes qui vous? Avec quoi? Non mais c'est qui ce vous faites quoi là? C'est notre pote. J'ai vraiment eu peur de ma vie. Mais moi pareil. Ils s'appellent Groot. Ah, il est protège-moi. Non mais c'est quoi ça? Après c'est l'absence d'un mois. Le ton cul. On va peut-être appeler les flics. Hein. Non, appelez pas les flics. Oh. Ah si, faut appeler les flics là. Tiens, si tu veux, il y a des bananes. Non mais la meuf, elle est dans Phasmophobia ou GTA? J'ai porté plainte, hein. Ils sont pas bien, hein. Mais t'es où? T'es où, toi? Derrière. C'est quoi cette bête-là, par contre? C'est qui? C'est quoi ce truc? Oh, moi je me fous dans la blague là. Quoi? Je rigolais, putain, y'a un gros truc dans la ferme. Oui, mais. Comment? C'est quoi pour se cacher, putain? Mon cœur qui allait s'arrêter là, j'allais faire une crise cardiaque. Mais moi pareil! Je m'y attendais pas. Mais il va manger nos cochons, nos vaches! Lève-toi, faut sauver nos animaux qu'on a payé cher avec notre weed! C'est trop les gars.
Vous voyez des trucs bizarres et vous restez là vous. Mais moi j'ai fait mourir hein. Peur. Moi j'ai un couteau, on est avec qui je sais où on va aller. Mais on a pas peur, on va mettre des coups de couteau, c'est pas là pour rigoler. Ils sont où? Tu les vois? Je sais pas. Je sais pas. Nous, tous les serait dead en ce moment. En même temps, vous êtes sur Fantastique, c'est normal. Bah oui! Là, on a des. Ils sont partis, je crois. C'était quoi ce truc? Je sais pas, on dirait toi après un mois d'absence quand tu t'es pas rasé. Quoi? Pardon. Oui, pardon. Tu vas voir. Toi, tu es poilu. Mais moi, c'est naturel, les poils. Ouais, bah, comment ça, bien n'importe quoi. Oui, pardon. J'ai peur. Toi, j'ai failli tomber. Tu l'as prédit, Babylone. Hein. Mais je suis pas tombée. Bon. Bah, parce que je suis fermière. On va partir d'ici. Viens, on va ouais, on va aller chez la voisine, on sera peut-être en sécurité. Oula. Aïe. Ouf. Oh putain, j'ai raté l'échelle. Au revoir, Harley. Venez, venez, on va chez la voisine. Venez, on va chez la voisine. Montez. En plus, cette fois, il est plus poilu que la bête. Encore, tu veux pas qu'on aille prévenir les shérifs? Ouais, vaut mieux. Il y a pas besoin. Il y a eu un Bigfoot ici. Allez voir les shérifs, on fait le tour des champs. Ok, gardez bien Louis avec vous, hein, il est petit. Ça va barder, ça va barder. C'est quoi ce délire? Je sais pas, j'ai vu qu'ils étaient arrivés de loin en cueillant des œufs. Et après, c'est là que j'ai vu le Yeti, le Bigfoot. Moi, j'ai entendu un gros bruit. Oui, oui, j'ai crié. Moi aussi, j'ai crié, j'ai eu peur. Putain. Ça va aller, Hailey, ça va aller. On va aller au shérif, ils vont nous sauver et dire quoi faire. Peut-être qu'ils voulaient des œufs. Arrête, on a qu'un poule. On a qu'un poule, ouais, c'est vrai. Oui, on a qu'une poule. Qu'un poule sous ma gueule. Ma limitation. Anormal de tête, j'ai pas été plus loin, je crois. À gauche. Ah bah ouais, nickel. Ils vont pas nous prendre au sérieux. Oh non. C'est fermé. Hailey, c'est fermé. Bah oui, c'est fermé. Ça. Oh là là. On va aller en ville. Ouais, go en ville. Ouais, j'ai Obi qui m'a tapé sans vouloir, du coup j'ai plus de lunettes et plus de chapeau. Et dans nos inventaires, je peux pas les remettre, je suis obligée d'aller dans un magasin de vêtements pour le remettre et tout, tu vois. Et c'est chiant. C'est grave. Hola Maï, merci de ton follow. Bienvenue, comment tu vas? Bon, allez, go jusqu'en ville, allez voir les flics. Oh mon dieu, je suis tétanisée là, je suis pas bien. Ouais, bah justement, on y va. Arrête, j'étais en train de regarder en plus. Bon, la route ici, elle est difficile, hein. Ouais, c'est pas grave, on est en montagne. Ouais. Pas grave.
Oui, je veux bien, merci. C'est pour ça qu'il y a eu un gros truc comme ça devant nous, hein. Oh putain, c'est vrai. Oh, j'ai froid. Attendez, je vais mettre mon peignoir. J'ai trop froid. What? Oh là là, j'ai failli casser la barrière. Elle est cassée. Non. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu de la chair de poule? Mais oui. T'es con. En tout cas, je trouve que trop bien ta vue. Oui. Ah bah tiens, putain, je me bagarre. Je suis en train de me bagarrer avec mon autre peignoir pour mettre la manche. Mon autre manche. C'est trop. Les triplettes sont des femmes poules en fait. Ouais ouais, notez tout. Toutes vos idées, ça va être drôle à la fin. Oh mon dieu. On est sur un gros dossier là, dis tout, je le sens. Ouais, un très très gros dossier, hein. Vous allez, grâce à tout ça, vous allez savoir carrément le passé exact des triplettes, du frère et tout. Je vais envoyer un message pour leur dire que c'est un problème de nous prévenir. Ouais, ouais. Il faut qu'on se fasse un code radio. Ouais, enfin, toi, je sais pas utiliser ma radio. Les shérifs, ils sont à la ferme, demi-tour. Oh là là là. Ellie, c'est la femme de Bigfoot, faut pas l'oublier. Ça va aller, pas de panique. Faut que j'aille au magasin après me... Ah mais non, j'ai pas de sous. Bah tant pis, je vais demander aux gens de me donner à manger. Aïe aïe aïe, mal de tête. Allô? Il m'appelle en... Allô? Ça va? On est sur le retour là, que les shérifs nous attendent. Oui, les shérifs nous attendent. Ok, vas-y à toutes. On va aller au... Vas-y. Allez, ça marche. Frère, il m'appelle en caméra. Les nouvelles méthodes qui vont intégrer les Avengers. Imaginez. On est à mi-chemin quand même, hein. C'est abusé. Hein. Je vais aller plus vite que possible, mais. Ouais, t'inquiète. Au poste. Au poste de police de... là-haut, ils y retournent. Ouais, ouais, t'inquiète. Du coup, on va... Au poste, ouais. J'ai mis une preuve sur le Discord. Lequel?
Ah, il est où, moi? Je crois que c'est Heidi, hein. C'est ça ta preuve? C'est trop. Avec le bonnet de poule. Allez. C'est bon, ils sont là. Je vais revenir à radio. Ah ouais, je vais... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vient vous voir parce qu'il y a eu un Bigfoot dans notre ferme et il nous a attaqué. À mon avis, on voulait vous prendre pour des fous, mais c'est la vérité. Il nous a attaqué et il a fait un bruit comme ça. Oh là là. Vous êtes sûr? Parce qu'il est, il est abonné sur Twitter, il a un compte Instagram. Ah bon? Il fait des selfies. Comment ça, il a Twitter? Hein? Ouais, il a Twitter, ouais. Ah bon? Un Bigfoot qui a Twitter? Oui, il est sur Twitter. Ah, mais j'ai pas de compteur, moi. Non, mais et vous prenez ça à la rigolade? Un Bigfoot, il était tout poilu et tout, il a fait super peur. Il a les poils de carotte. D'accord. Bah, sur Twitter. C'est le Bigfoot ou Yeti qui agresserait les fermières et les fermiers là. C'est trop bizarre. Je crois qu'ils ont voulu prendre mes œufs. Ah. Mais oui. Et en plus, on a qu'une poule. Alors si on n'a pas d'œufs, on est dans la merde. Mais oui. Ah, vous mangez. Merci pour ton resub, Babylon. Non. Merci c'est beaucoup. Pour les revendre, monsieur. Vous vendez un œuf par jour? Non. C'est on une star le Bigfoot. Des plaquettes. Ouais, grave. Plaquettes. Oui, plaquettes. Vous voulez des œufs? Donc tous les 12 jours, vous vendez une plaquette? Oui. Ok. Elle pond énormément de poules. Bah ouais, j'aimerais bien des œufs, c'est combien? $15 la barquette. Ouais, c'est cher quand même, la barquette. Bah après, ça va. C'est fait maison, hein? Oui. Oui, vous inquiétez pas, on passera. Après, un œuf, c'est combien, Lexi? Un œuf, c'est $5. Donc c'est plus rentable de prendre une plaquette que qu'un œuf. Effectivement. Voilà. Je crois que je vais aller me casser un œuf, c'est mieux, ouais. Après, si vous voulez, je peux vous vendre un brique de lait quand j'en aurai. Une brique de lait. Ouais. Une brique de lait. Oui, ouais, un brique de lait. Ouais, on peut le dire comme elle veut. Hein. Mais sinon, non, mais. Ouais, faut pas prendre à la rigolade, ouais. Surtout que je vois que monsieur, vous avez un beau fusil derrière, il est temps de lui mettre un trou dans le derche. Mais bon, je pense pas que ça va l'arrêter. Sincèrement, je pense pas que ça va l'arrêter. Hein. Ouais. Ok. Bah, faudrait couvrir un calibre là. On va sortir le fusil de sniper, non? On sort l'hélico dans le chasse, hein? On sort la thermique? Bah, ouais. Hein. On voulait qu'on fasse une chasse au Bigfoot? Bon, oui, dans la foule, on va aller le chasser. Et on lui met un coup dans le derche, comme vous avez dit. Exactement. Oui, comme ça on est tranquille, parce qu'on a eu peur de notre vie là. Okay. Bah, oui. Ah oui, c'est cool. Et puis il a failli s'en prendre à notre vache Charlie qui a le même prénom que notre sœur, alors Harley est toute notre vie et. Oh là là! Je suis toute seule. Vous avez donné une vache à le nom de votre sœur? Oui! Attendez, la question c'est laquelle est née avant, la vache ou la sœur? Bah la sœur! Ah, c'est chaud quand même. Ouais, c'est vrai que c'est là. C'est pas grave, c'est une vraie connasse. Ah oui, et son mec. N'en parlons pas. Un vrai connard aussi. Ok. Bref, on n'est pas là pour parler de notre vie, nous on veut juste qu'on pense à chez le Bigfoot et que vous nous le ramenez. On va aller le chasser. Espérons. Allez-y. On va lui mettre un coup de douze, ne vous inquiétez pas. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon, c'est une bonne soirée, messieurs. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Attention à vous. À vous aussi, surtout. Ne vous inquiétez pas.
Allez, go la ferme. J'ai l'impression qu'il s'en fiche, hein. Ouais, j'ai l'impression aussi. Les... Apparemment, il a un petit peu peur, mais... Mais genre... il se fout de notre gueule, alors je pense que quand j'aurai le temps, j'irai aux flics dans la ville et j'irai leur dire. Ouais, mais je crois qu'on se fout vraiment de notre gueule, là. Oui, et je crois. Et quelle heure, parce qu'on nous a dit qu'on était invités au gars. 23h19. Ouais, bah je pense que c'est bon, là. Oui. Ah non, le lag. Ouais, j'ai plus rien à boire et à manger. À boire, si. À manger, non, j'ai plus de sous. Fait chier, j'ai plus de sous pour m'acheter à manger et à boire. Ah, bon, en plus, faut que je fasse mon permis, je sais même pas combien c'est. Moi, j'ai pas eu assez, hein, et j'ai toujours pas mon permis. C'est qui elle? Ah, la meuf que les mecs vont vous le pécho. C'est les patrons du. Comment ça s'appelle? Du tequila là. Ah, ok. Ah bon? Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs, mesdames. Bonsoir. Ah, je me présente. Oh, ça va très bien. Je m'appelle Dominique Torres Vélez et voici ma fille, Esperanza. Enchanté, ici Lexi et Heidi. En tout cas, vous ressemblez énormément, hein. Bah, wow. Pas autant que vous. Vous ressemblez, vous êtes jumelles ou. Triplette, quadruplée. Ah, on triplette. Quadruplée, ah, d'accord. Ah, oui. 3, 3, 3, 4, oui, d'accord. Moi, j'ai un œuf, je peux pas le manger, l'œuf. Enfin, je pense pas. C'est rare. Je vais essayer après. Tout à fait. Bah, en fait, on vient juste faire le tour un peu des entreprises et on s'intéresse à la ferme, savoir qu'est-ce que vous proposez et tout ça, parce que... Bah, au pire, on peut se poser dans la grange et on... Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait, tout à fait. On vous fera faire la connaissance de la vache. Oui. Très bien. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, bref, elle s'appelle Harley comme notre sœur. Ah, d'accord, c'est une référence, c'est... C'est une preuve d'amour. Non, une vraie connasse, surtout. Bon, bah voilà. Ouais, on peut se mettre à côté de la vache pour éviter qu'elle se sente seule. C'est rustique, mais j'aime beaucoup l'ambiance, mon perso. Venez. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ah, elle veut vous montrer la vache. Ah. La meuf, elle a la fois sur la vache, et tu comme sais. Comme je disais, je suis patron du tequila, donc oui. C'est vrai qu'on recherche un petit peu pas du matériel, mais plus des ressources. Allez, Harley, dis bonjour. Du frais, etc., c'est ça? Exactement, oui, vous avez tout compris. Bah, vous êtes bien tombé chez nous, alors. C'est pour ça que je pensais vous donner mon... La vache, elle se trouve ici, ou... Oui, elle est juste là. Ouais, derrière nous. Ah. Oui, mais elle doit avoir peur de vous, en mon avis. Ah, oui, je comprends. Ne vous inquiétez pas, c'est une petite flippette, après. je comprends. Grande gueule, mais... C'est pas quoi, des bref. Personnes du Sud, peut-être. Oui, ouais, j'aime ça. Trop sa voix aussi. Du coup... Oui, donc c'était pour vous transmettre mon numéro, et puis que... Oui, bien que sûr. Que vous me disiez un petit peu, peut-être... ce que vous avez et tout, qu'est-ce que vous produisez ici? Des œufs. Oui, des œufs. Du lait. La farine. Du lait. Du. Des pommes. Fromage. Ah, des pommes. Et du fromage. Oh, alors moi, je propose un petit plateau de charcuterie dans mon bar. Donc je me dis, avec du fromage, ça peut être pas mal, ça. Oui, exactement. Tout à fait, avec un petit. De la weed. Non, faut pas que je la fasse remarquer maintenant avec la weed et tout. Oh, ah la vache, oui, pardon, excusez-moi. Non, elle miaule et c'est un peu chaud, là. C'est Lexi et Aélie, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Attendez, je vous airdrop mon numéro. Oui, allez-y, et puis je ferai de même. Arrête de faire pareil que moi quand je fais quelque chose. C'est incroyable, vous étiez en synchro, là, c'était très impressionnant. Oui, voilà, pour le plateau de fromage, c'est vrai que les pommes, ça m'intéresse beaucoup aussi. Ça peut être sympa à proposer. Oui, tout à fait, des fruits et tout, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous ai airdrop mon numéro. Moi également. Hop, j'ai bien voilà. Reçu. C'est nickel. Et si jamais vous n'hésitez pas à passer au tequila là, on fera un plaisir de vous offrir un verre. Ben il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Oh, oui, le premier avec est gratuit. Plaisir. Ah ben bah, c'est double. Normal. Ah bah un triple moi, même. Si vous voulez, je peux vous donner deux œufs, regardez.
Attendez, je vous donne un neuf frais. Je viens. Non, on va dire que pour le symbole, vous pouvez prendre même un triple ou un quadruple, j'accepterai. Tenez. Et je vous donne votre fille aussi. Tenez, je vous donne un petit œuf frais. Ah oui, merci. C'est très gentil de votre part. Voilà. Ah. Je peux pas vous la donner. Je crois que vous voulez. Vous pouvez pas prendre mon œuf. Vous voulez pas prendre mon œuf. Ah. Oui. Moi, je l'ai bien dans la main. J'aimerais bien l'avoir en vrai. J'ai envie. Hein. Ah bah non, je ne peux pas vous donner mon œuf. Je suis vraiment désolée, mademoiselle. Depuis qu'elle est toute petite, elle adore les omelettes. Bah attendez, je vous le donne à vous. D'accord. Bah attends, je vais essayer de lui donner. Nickel, merci. Attendez, madame. Ah, merci. Voilà. J'en ai un, c'est bon. Ah, c'est bon, de toute façon, j'ai pas reçu le deuxième. Ah bon ? Non. Ah, bah... Vous avez reçu ? Ah non. Là, non. Ah, je crois que les œufs ils sont pas encore frais, je pense. Ah bah j'en ai, ouais, je regarderai. Hein. Bah écoutez. Oui, gardez les œufs et. Je t'en ferai un œuf à la coque, donc. Mais après, c'est meilleur gobé, hein. Gobé. Oui. Mmh. Ah oui, c'est vrai pour les protéines, c'est ça. Oui. Exactement. C'est sympa pour le sport. C'est vrai. Faut trop t'en tenir en plus un petit peu, espérant ça. Mais du coup, on filera les prix si vous voulez, si ça vous intéresse, et puis... Oui, tout à fait. Là, j'ai dit gobé. Ça vous va ? Ça nous intéresse beaucoup, pour le coup, si on peut faire affaire ensemble. Et si vous avez, pareil, des choses qui vous intéresseraient chez nous, on a pas mal de petites choses. On a des tapas, des plateaux de charcuterie. C'est quoi des tapas ? Des tapas, c'est des petits amuse-gueule, amuse-bouche hispaniques. Ah, pas mal. C'est un peu notre spécialité. Oui. Donc, intéressant. Voilà, même au niveau alcool, on a du jus d'orange qui est un petit peu spécifique à nous. Je sais que les vignerons ont du jus de raisin, mais si jamais vous aimez le jus de fruits... Ah oui, beaucoup, voilà. Surtout le matin. Vous pouvez... Ah bah voilà, oui. Parfait, vous pouvez venir... Moi, j'aime bien déjeuner à côté de Harley. Ah oui, ouais. Alors, ouais, peut-être le lait. Ouais. En famille. En fait, je tète la vache parce qu'on n'a pas encore un seau et c'est mieux... Je prends le lait dans ma bouche et je mets des céréales dedans. Moi, ça me choque pas. Hein. Pour le coup, c'est normal. Merci. Bah oui, moi, je trouve que... Le mec, il vient, il est sérieux et tout. Faut, et toi, tu lui dis quoi? Ah oui. Je voulais faire la flexion. Niveau alcool, on a du jus d'orange. Ouais. Bah, c'est naturel, non? Moi, je trouve ça naturel. Ouais, exactement. Ah, en plus, ça vous fait rire. Non. En tout cas, je ne me moque pas. Non, du tout. On va dire, c'est. Comment on appelle ça? C'est. C'est de l'amusement, vraiment. Non, même pas. C'est... Merde, j'ai perdu le mot. Heidi, aide-moi. De quoi encore? C'est sentimental. Non, pas du tout. Oh putain, c'est maternel. Non. Non. Elle est pire, elle. Oui, pardon. Non, mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas à me contacter alors, du coup. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour vous retenir, vous avez plein d'employés là qui attendent de parler avec vous. Oui. Bonne journée à vous. À vous aussi, monsieur et madame. Et puis, on va vous ramener. Il n'y a pas de problème. Bon courage, en tout cas. Dégustez bien les œufs. Oui, bien sûr. Je te ferai un œuf à la coque. C'est prévu. Viens, Lexi, on va les ramener. Venez. Ah oui, il faut les ramener. Ça, ils ont l'air motivés. Ça va, petit bébé? T'as tes nouvelles? Ah, super. Ah, trop bien. Ça arrive. Ouais, nickel. Petit bébé, non mais... C'est... Il est trop mignon, hein. Pas un bébé. Oh, j'ai 2 ans. T'es bon. Très, très mignon, cet enfant. Vous êtes vraiment très entouré, en tout cas, regardez. Ouais, vous êtes escorté. C'est vrai, j'ai l'impression d'être une personne spéciale du gouvernement ou quelque chose. Non, faut pas abuser non plus, monsieur. Ah, ouais. C'est nous qui sommes spéciales. Ouais, je suis un peu cramé en mes rêves, là. Non, vraiment pas. Je vous souhaite une excellente soirée. Bah, voilà. À vous de même, hein, messieurs, dames. Et... À vous et bon courage à vous. Merci. Bon courage à vous. Faites attention. Au revoir. Au revoir. Merci. Bisous, soirée. Qu'est-ce que vous avez dit ?
On a un truc gratuit chez eux au tequila noir. T'as vu, on a des trucs gratos, nous. Trop bien. Mais ouais, ça évite de dépenser de l'argent. On a bien fait d'acheter de la ferme, c'est trop bien. Bah ouais, c'est tout l'argent de la weed qu'on a mis mais dedans. Mais oui, trop bien. On va revendre de la weed. Alors, vous bossez bien, vous? On va voir l'étagère. C'est bien ça. Ok, je vais aller voir. Ça bosse. Ça des primes, autrement, bien, apparemment, ils ont bien cueilli les œufs. Viens voir. Normalement, c'est ça. Bon, viens en voiture. Putain, j'ai cru voir quelqu'un, j'ai eu peur. Tu vois qu'il y a deux petits, ouais, trois seaux et trois cisailles. Ouais, mais non, après j'ai dit quatre. Parce que maintenant il en faudrait un petit peu plus, parce que moi je vais recruter après. Mais c'est sûr, oui. 80. Eh, hey, ils ont fait 91 œufs. Mais ouais. Regarde. On va prendre les trucs qu'il va ramener. Et il faut en apporter à la patronne là-bas. Bah, il y en a 100 œufs là. J'ai rajouté les miennes. Ah bah, je rajoute les miennes. Ouais, rajoute. 105. C'est parfait. Mais il faut en donner à la dame qui nous a invités. Mais le problème, c'est que il y a quelqu'un d'autre qui arrive là. Ah merde. Ouais, mais là, la ferme, là, on va beaucoup travailler, Alexis. Ouais, vraiment. Je le sais. Mais moi, faut. Ça va être un peu chiant, mais on n'aura pas trop de choix. Merde, pas qu'on puisse. Faut que je trouve quelqu'un qui a à manger là et à boire. Ah. J'ai même pas de sous. Ah, et moi, je sais pas comment. Cueillir des œufs, ils sont trop forts. Ah. D'accord, à tout à l'heure, papy. À tout à l'heure, y'a pas d'air. T'es doué. Oh, merci. Il arrive. Bah, je peux pas te donner tout. Non, t'inquiète. Eh, vous savez ce que j'ai trouvé sur le terrain? Quoi? Des os? Ah non. Vous allez voir, il est trop mignon. Ah, il y a du monde. Regardez. Oh! C'est la ferme ici! Voilà, j'ai réussi à te donner tout ça. Oh, merci, Ailey. Il va falloir dire aux gens de patienter devant, oui, parce qu'ils rentrent un peu comme chez leur mère ici. Ouais, ouais. Eh, bonjour. Oh, ouais, c'est incroyable. C'est quoi ça? Ah, c'est Abdel. C'est un canard, il est mort. Bonsoir, monsieur. Je vous prie de m'excuser, bon, mais faut pas rentrer comme ça dans la ferme. Il y a des animaux sauvages bonsoir, ici, monsieur, dont ma soeur. Votre soeur, c'est un animal sauvage? En fait, on a une vache et elle est un peu sauvage. Mais c'est qui la vache? Harley. Sérieux? Et vous êtes qui? Bah moi c'est Siffleur, hein, je suis carrément Siffleur. Non, Siffleur. Siffleur. Un peu moins fort. Ah, excuse-moi. Ah, Siffleur, ok. Non, Siffleur s'il vous plaît, mesdames. Ah, Siffleur. Siffleur. Bon, ok, je vais vous faire une présentation. Carmela, s'il vous plaît, je vous fais une présentation. Par contre, c'est d'un coup, moi j'ai pas votre hôte. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Siffleur Hawk. Je suis un agent de la LSPD, j'ai 21 ans. Je te jure. Pour protéger et servir le gouvernement de Los Angeles. J'adore les chats, les chiens et les vaches. Les femmes. Ok. Et oh, oui. Voilà. Et pas les vaches. Et moi j'aime pas les hommes, donc entre nous deux ça marchera pas. Mais toi tu veux pas. Ça... C'est moi ta gueule, j'ai tout fait avec toi. C'est Abdel. C'est trop Abdel. Je l'aime trop, NASA. Mais bien sûr, moi je vaut mieux toi. Oui. Non, mais on se calme. Ah, bien sûr. Merci. Par contre, tu vas te calmer avec ma soeur parce que je te goûte. Hein. C'est pas gentil ça, hein. Vraiment, c'est pas moi. On je suis touche là, pas je ma soeur. La soeur peut pas. Oui, personne me touche. Quoi? Pourquoi tu peux pas se marier? Ah, rien, ne vous inquiétez pas. Ah, il était trop bien sur lui là. Désolé. Putain, c'est pas si proche. Mais du coup, ici c'est où? C'est la ferme? Je sais pas ce passé. C'est la ferme, oui. Elle vous appartient? Exactement. Oui. À qui? C'est qui? Bah, à nous. Nous. La famille Kowalski. Kowalski. Oui. Kowalski. Kowalski. De quelle origine? Polonaise. Polonaise. Et qu'est-ce que vous faites en Amérique? Bah, travailler. Non, mais vous en avez pas marre? Tous les étrangers ils viennent en Amérique pour travailler. Et alors? L'Amérique, c'est aux Américains en fait. Et toi, tu viens d'où? Moi, c'est l'Amérique, je suis purement américain. Ah, ok. Moi.
D'ici, bah, va en Pologne. Non, non, mais là je rentre de Tahiti, regardez, j'ai pris des coups de collègues, ça se voit à ma gueule. Ah oui, oui, oui. Voilà. Du coup, voilà. Je pourrais avoir votre numéro, s'il vous plaît. Vous appelez comment d'ailleurs? Lexi et Ailey. Harley. Lexi. Ailey, pardon. Oh putain, j'ai pas marqué ma soeur. Ailey, oui. Je peux avoir votre numéro à vous deux là ou pas? Merci. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, merci. Oui, exactement. Moi, c'est Cliff, alors je t'ai dit, c'est un agent du SPD, mais t'inquiète, tu connais, hein. Ouais, mais tu devrais trouver... Ah, Stifler. Ah, Stifler. Ah, mais oui, faut articuler. Mais bon, ça va rester souffert. Bonne nuit, Babylone, merci d'être passé. Bah, je suis désolée, mais moi, j'ai compris. Ouais, moi, pareil. Bon, mon pouce, il me casse les couilles, là, putain de merde. Allez, là, tiens, j'aimerais bien faire un putain de passage de mais avec plaisir, Babylone. Mais voilà, nous, on a partagé notre numéro. Ah oui, c'est bon. Alors, Lexi... Je sais pas si vous connaissez Lexi... Et Allez, tiens. Sinon, vous faites quel type de produit? Est-ce que vous vendez à boire ou à bouffer là, dans ce ferme? Oui, bien sûr. Des œufs, du lait, de la farine, du fromage. Oui. Du lait, des pommes. Bah, en fait, le lait, je vous explique qu'on n'a pas de. Non, mais il faut têter la vache en fait pour avoir le lait parce qu'on n'a pas de seau. Ah bah, il faut que tu tues la vache. Non, têter. Que... C'est incroyable. Oui, je sais. Ok, ça roule. Ça roule. Attends, bah, ouais. Et tout ça, c'est vos employés? Non, les deux qui sont en train de bosser là-bas, ça nous. Oui, ils sont en train de ramasser les œufs. D'accord. Et ils proviennent d'où vos animaux? Des filles, attends. Bah, de l'Amérique. Tu peux répondre? Lexi, tu sais répondre? Ouais. Ils proviennent d'où les animaux? Tu te fous de ma gueule? Non. Il a fait d'après moi, on est d'accord, Lexi. Mais oui. On les a achetés ici, nos animaux. Oui, on les a achetés ici. C'est des animaux américains? Bien sûr. C'est parfait. Juste la vache qui est un peu algérienne, mais bon, tout va bien. Ça voudrait un peu okay. La vache, elle est un peu algérienne. Ah voilà, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Elle est quoi, ça, la vache? Algérienne. Ah bon, ça existe? Ouais. Bah, je savais pas. Elle était ici en Amérique, mais en fait, elle a été... fallait la racheter très vite avant de partir à l'abattoir et en finir en jambon, et j'ai dit je la prends. Parce que... Oh, pardon. Désolée. J'ai marché dans la merde de la vache. Ça fait il y a de la bouse de partout, faites gaffe. Tu peux voir? Oui. Lève ta botte. Vas-y, regarde. Putain, t'as plein de merde. Ouais. Attends, je m'essuie sur les roues de la voiture. Bah oui. Ouais, voilà. Bah, la mienne. Ouais, impec. Bah oui, t'es... voilà. Sinon, ça dit quoi, vous? Bah, rien. Il y a Lexi, il y a sa sœur. Rien à raconter. Il y a Obi. Et vous? Elle où votre... Mais attends, voilà. Mais... Vous me savez, on m'avait pas dit une Harley, c'est qui elle? Harley? Ouais, c'est qui? Bah, notre sœur et notre frère Loki. Oui, petit bébé? Il y a Noah qui est là. Noah Hopkins. Oh, mais... Tu te fous de ma gueule? Comment ça, petit bébé? Oui, c'est un enfant. Oui, moi, c'est un petit ans, bébé, il est trop mignon, ce gamin. C'est ça. J'ai 2 ans de moins que... J'arrive. Il est trop mignon. Attends, le petit. Vous avez 18 ans, mesdames. Bonjour. Bonsoir. Mais vous êtes pas majeur. C'est vous, Noah? Oui, je m'appelle Noah. Et vous? Moi, c'est Lexi, mais Louis, il m'a dit que vous étiez Noah. Okay. Et c'est légal? Oui, c'est moi. Je sais pas le prononcer. C'est toi? Oui, c'est moi. Oui, c'est et ça. Et qu'est-ce que tu fous ici? J'avais dit que j'allais retourner chez moi. Y a un problème? Ah, si, si! Non, mais pas dans cette. Pas dans la ferme, hein! Oui, non, mais c'est Noah! Ah non, pas la ferme, la ferme, elle est à moi! Elle a tiré pas mal, je pense! Oui, bien sûr! Depuis quand? Mais. Non. Depuis hier! Je l'ai acheté hier, j'ai finalisé les papiers et elle est à nous! Ok. Oh là, Alpha Titan! Alpha Titan! Merci de ton follow, comment tu vas? Merci beaucoup! Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Je viens d'arriver ce matin.
Ah ouais? Je savais faire arrêter par les flics. Oh! Les shérifs, là, plutôt. D'accord. Ah, voilà, c'est tout. Ah oui, c'est. J'arrivais fracas. Ah ouais, qui? C'est bizarre. Non, non, c'est plutôt cool en vrai. Et ah? C'est un Thomas, je sais pas. Non, je connais pas. Et ce qui paraît, c'était à lui la ferme avant. Celle-là? À ses parents plutôt. Celle-là ici? C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Ah bon? Bon, peut-être qu'il se trompait de femme. Ouais. Je pense. Ouais. Bon, allez, moi j'y vais. Bonjour monsieur. Au revoir. Au revoir, tout à l'heure. Ah oui. Au revoir, Swiffer. Au revoir, tout le monde. Aïe! Oh, oh putain, hop. Oh putain. Aïe! Excuse-moi madame. Oh là là, excuse-moi madame. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. J'ai vraiment pas fait exprès. Ah, j'ai trop mal. Non, ça va pas. J'ai vraiment pas fait exprès. Hein. C'était vraiment pas volontaire. Hein. Oh, je. Non, mais je vous jure, j'ai rien fait. Ah, bah, apparemment, oui. Non, mais. Nous en faites pas, ça va aller, ça va aller. Vous êtes comme des fous comme ça, messieurs dames. Vous avez conscience que vous êtes là? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs dames. Il crache partout. Ok. Il a l'air super mal. Ok, c'est cool. À la terre terreuse. Ouais, ok. La terre, c'est pas des pneus terreux. Vous êtes des paysans ou pas? Ah, est-ce que vous êtes des paysans en mort? C'est des paysans. Arrêtez de bosser les gars, vraiment. Ouais, il y a du monde, venez. Oui, vous avez fait beaucoup. Arrêtez, ça. T'as dit quoi, vous? Vous êtes des gens du cul, du sang du nord? Du sang du nord. Vous êtes des campagnards, vous? Ouais, regardez, derrière vous, on a le garage. Putain, c'est carrément gang. Ok, c'est à vous le garage? Ouais. Ah, ok. Dis tu allais, y'avait personne. Bah, c'est normal, là, on était à l'hôpital. Non, faut travailler, pas d'excuses. D'accord. Il y a des ordres à qui, lui? Non, bah personne, non, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Ce gamin, ce mec là, il est trop bizarre. Mais déjà, il crache partout quand tu parles, il y a un problème. Tu travailles pas chez non, vous c'est, ça, non, je travaille pas, je passais là dans le coin, j'ai pris des dents, j'ai passé. Mais. Oh putain, vite! Non! Ah ouais. Aïe! Faut faire un retour. Ça tombe bien, on était à. Mais merde! Oui, ils sont disponibles. Ils sont là-bas, si jamais. Bah, ils sont. Ouais. Allez, bonne chance. Bon, bah, go, hein. À l'hôpital. Moi aussi, il faudra me donner à manger, au fait. Tu peux m'aider à souffler, parce qu'elle est lourde. Pour cet accoutrement? Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à la poser. Ah, bah... Exactement. Bon, merci. Bon, vas-y, les frères. On se pète. Ouais. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Ah, mais c'est eux qui sont venus avec l'autre, là. Mais la voiture, elle veut pas. C'est pas ma voiture. Tu veux que j'avance? Attends, je vais l'avancer. Mais c'est pas ma... Ah non. Mademoiselle. Oui. Mademoiselle. Oui. Oui, ça va? Oui, je cherche juste une voiture pour emmener ma soeur. Ah mince, vous avez pas de véhicule? Si, dans le garage. Ah super. Ah. Oh. Quand on vous amène? Ah bah, vous pouvez emmener ma soeur, oui. Allez-y, je vous rejoins là-bas, je vais rester avec madame. Je vais sortir ma voiture. Oui, allez-y. Bah, c'est souvent des balais comme ça? Pardon? Vous m'avez dit quoi? Vous m'entendez, les gars? Parce que elle, j'ai pas la pression. Hein. Voilà.
j'ai l'impression qu'elle m'entend pas. J'ai peut-être pas mon TeamSpeak, peut-être. Ah bah oui, c'est arrêté. Je sais pas ce que j'ai. Hop, désolé. J'ai eu un petit souci, désolé. Ah, y'a pas de problème. Je vais prendre une bonne Vous me disiez ? Non, bah si ça allait, mais du coup, on me répondait pas. Ah, non, ça va, juste un peu stressé pour ma sœur. Oui, oui, bah apparemment, ça a l'air d'aller. Oh, bah oui, je l'entends parler avec sa grande bouche là. En plus, on allait venir vous voir quand vous êtes arrivés. Bah c'est pas grave, on va y aller ensemble. De toute façon, faut qu'on aille passer notre permis, nous, donc... Ah ouais, moi aussi, mais j'ai plus de sous. Ah. Du coup, je vais vendre beaucoup d'œufs pour avoir mon permis. Ah bah oui, c'est pas bête, ça. Oh, et ouais. Oui. Vous êtes de très fortes, très bons compagnons, on va dire. Bref, merci beaucoup, monsieur. Oui, voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Ah putain, je lag. Alors, t'as quoi ? C'est parce que j'ai bien fait, j'ai très faim et vu que je travaille beaucoup, je fais pas attention. Ah là, ouais, mais moi aussi j'ai très faim et. T'aurais pas un sandwich ? J'ai plus envie, j'ai de l'eau si tu veux, mais j'ai que ça. Ah. Vous voulez des sandwichs ? Oh ah ouais, oui, s'il vous plaît. Parfait. J'en ai. M'arrêter et si vous avez à boire au passage ? Oui. Un sandwich. Oh merci beaucoup, madame. D'ailleurs, en parlant, je veux boire sinon. Ouais, faut dire que tu passes à un restaurant là pour mater un petit truc à manger. Je sais pas si ça a des restaurants ouverts ici là. Je sais pas. Mais je voulais aller voir le motel, mais il y a personne. Un peu normal. Ah, c'est normal. C'est pour dormir. Merci beaucoup. Il y a un restaurant intégré. Ah, y a qui un voulait restaurant, manger Moi aussi. Qui vous êtes monsieur Louis. Bonjour. Eh, vous êtes des escrocs, les médecins. Hein. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dû m'enfiler une boîte de Doliprane juste après. Hein. Comment ça ? Vous avez repris un Doliprane ? Je sais pas si vous avez les poches ouvertes pour les fermer. Ah, mais faut pas tout avaler, monsieur. Ah, oui, c'est bon. Vous allez faire les deux bordeuses, là ? J'en ai précise d'un coup. Ah non, mais là, monsieur, c'est pas... Merci. Attends, venez avec moi, on va voir si tout va bien, parce que si Doliprane d'un coup, là... Qui est-ce qui voulait manger encore ? Vous êtes sûr que vous allez bien, monsieur ? Ouais. Peut-être Ellie, s'il vous plaît. Monsieur. 14. 5 à 10, pardon. On est en train de raqueter Yunra, oui, tu sais, pour bouffer. Non, c'est vrai, je suis daltonien. Merci beaucoup, mademoiselle. Mais de rien. Merci. Okay. Non, c'est pas une couleur, du coup, c'est votre machin. On est en quelle année, ça on est bon, bon, bah... Je sais pas si on va passer notre permis maintenant ou si on va boire un verre maintenant. C'est une couleur, le blanc, monsieur. Le blanc, c'est pas une couleur. Gibbs. Pour moi, c'est une couleur. Oui. On va passer notre permis ou elles viennent boire un verre au garage. Déjà, c'est une couleur blanc, elles ont le permis, au moins. Non. D'accord, on est en quelle année, vous avez dit ? Mais elles ont pas l'argent 2022. Pour passer le permis, je crois. On est en 1900. Hein ? Ok, monsieur Vedaco, on va faire des examens plus approfondis. Vous allez approfondir quoi ? Les examens, ouais, c'est ça. Vous avez plus d'argent ? Qu'est-ce qu'il y a, Ali ? Moi, si, j'ai de l'argent, pourquoi ? Vous avez pas le permis ? J'ai un petit appel, attendez. Bah, c'est cher, le permis. Du coup, je vais vendre des œufs pour avoir de l'argent et vendre. Sinon, vous allez payer le double du permis en amende. Ah bon ? C'est un appel du Sud. Ah oh bah le Sud, mais putain, tu je lui ai déjà donné 150 dollars apparemment à la bah non, on soit les appels du Sud. Eh, mangeons mes morts, les gitans. Moi, je me reste de l'argent, moi, je peux passer mon permis. Parce que là, on va au permis, si vous voulez, comme ça, vous pouvez passer. Ah bah, on va essayer, hein. Eh, vous inquiétez pas, moi, j'ai tout battu. C'est 200 dollars le code et 900 dollars la conduite. Ah, bon bah, je recule, j'ai pas. La cigarette, vous la mangez ou vous la fumez ? Je la mange, madame. Vous voyez le monsieur à votre gauche, là. En blanc ? Ouais, lui, il a des sous, demandez-lui. Monsieur, vous avez des sous pour mon permis et mon code, s'il vous plaît ? Ah, je suis pauvre, désolé. Je suis pauvre. Ah ! Pas lui. Ah, pas lui. Je suis pauvre. Celui qui est ici. La balle. Tu voyais pas, lui, la balle. Ah oui, il est en blanc. Oui, ouais, la balle. Lui en blanc, ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je m'appelle Exe Kowalski et je suis pauvre et mes œufs ils se vendent pas et j'ai besoin de sous pour... Enchanté, Exe Kowalski, je m'appelle Carlito Sancho, je suis pauvre aussi. Ok, merde. Bon, il n'y a pas de sous. On est tous pauvres ici. C'est énorme. Alors, c'est bon ? Bah non, il n'y a pas de sous. Attendez, je vais vous donner de l'argent. Ah, j'ai jamais merci, monsieur.
Voilà. Vous êtes très généreux, je vous vendrai du lait frais de ma vache, Charlie. Non, je rigole, et... je suis pas Oui, dis-moi. Ah bah merde. Où est-ce que vous l'avez eu cette sucette, monsieur? Bah dans mon sac, j'en ai plein. Ils sont trop... Ah oui, tu m'appelais? Vous l'avez où? Dans mon sac, j'en ai plein. Oh, il y a une sucette. Ah, okay. C'est bien. J'ai de l'argent. Ah, pardon, c'est oui vrai, vous la gobez quasiment en entier. Je vous ai donné de l'argent. Et vous y allez vite, hein. Oh, merci beaucoup. Arrêtez. Très gentil, merci, et monsieur. Arrêtez, je vous donnerai du lait. C'est vrai qu'elle est grande et vous la mettez tout au fond. Bon, Louise, calme-toi. Il la met tout au fond. 16 ans et t'as l'air expérimenté. Bon, vous voulez bien voir un verre Oui, bien sûr, tant que c'est gratuit. On va passer notre permis, nous. Oui, oui. Bon, une binouze. Oh, bah, non, mais non, attendez, il faut que elle passe le permis, elle. Hein. Ah oui, parce qu'on va passer le permis tous ensemble. Elle va prendre le tracteur bientôt. Il s'est fait rouler sur ses mains. Ah, sinon, venez, on va passer le permis tous ensemble et après, on va boire un verre pour fêter ça. Oui, bien sûr. Sinon, on fêtera un verre à votre défaite. Pas grave. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, dites-le. Il s'est fait rouler sur votre collègue. Quoi? Il est trop con, il a oublié de... Vous n'êtes pas prête à la banque? Bah moi j'ai peur de le rater, moi. Mais non, vous inquiétez pas. Au pire, ce que vous faites, c'est que vous passez avant elle et après vous lui dites. Ah ouais, tu me donnes les réponses. Hein? On est mal barré alors. Ah. Il est lourd, le bon, oui, mais ça va aller. Venez, viens. Ouais. Angelo et Obi sont où? Vous pouvez vous dépêcher pour dessouder les cisailles ou pas? Ouais. Ah, non, ah ouais, pas, mais pas. On a les seaux et les cisailles, Heidi. T'as 80. Ça me saoule que ça vous bloque. Mais c'est à moi de conduire, je suis con. Ah. Oula. Mettez-moi l'auto-école, s'il vous plaît. Quoi? L'auto-école? Bah alors? Allez? Bah elle va pas! Oh non, non, tu vas faire les limiteurs de vitesse. Enlève-deux. Oui, enlève. Okay. Voilà. Voilà, je suis trop fort, moi. Boum. En plus, j'ai raté mon permis. Je paye 800$ de permis pour le rater. Oh là là, comment j'ai mal au crâne. Ah ouais, là j'ai mal au crâne. On est d'accord, hein. Ah oui. Non mais c'est l'excuse, c'est toi qui écoute. J'ai l'impression que dans ma vision à moi, je vole. Ah oui, non mais là c'est Aladdin, là. Ah ouf. Ouais, c'est un tapis d'Aladdin. Oh, oh, là. Ah non, on va pas aller comme ça, quand même. Ah non. Bon bah, c'est nickel, hein. C'est pas cool qu'à mettre la musique de Aladdin. Oh purée, on se croirait sur un tapis de roue là. Ah ouais, là, là. On fait des sauts. Là. En plus, je vois même pas son compteur à remonter. Je sais même pas comment les suspensions y tiennent. Ah, les suspensions. Oh la vache, regarde au fond. Mais what? Lexi! Caroune, mais tant vraiment regarder la route, elle regarde pas la route. Mais c'est vous qui voyez mal, hein. Moi je roule très bien. Ah, c'est bon. Oh, bah, putain. Ah bah waouh. Oh là là. Waouh. Ah, j'ai cru qu'on allait s'envoler à la lune. Oh merde. On vient de détruire un poteau. Oups. Oui, oui. Ah, pas le permis, hein. Ah bah d'habitude, hein. La dernière fois que je suis monté avec elle, j'ai bien failli mourir. Juste dans la petite voiture rose que t'avais à Liberty. Oh là là. D'accord.
Après. Après, vous allez à la ferme pour les vendre. Oui, ils sont avec moi. C'est ça qu'il est de nous. Et non, pas encore. On m'a dit que l'utiliste de préparer les outils, c'est bon. Ils sont en train de finir de préparer les cisailles et les seaux et c'est bon. Voilà, voilà. Allô? Oui. Je suis avec les deux fermières, je crois, ça se dit comme ça. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Quoi? Le mais non, c'est vous qui devez venir. C'est trop une légende, voilà, c'est trop une légende. À la ferme, va à la ferme. Après, on mais... peut... Après, on peut aller le voir après, dès qu'on a fini, si tu veux, Louis. Parce que là, on va passer le permis. Mais non, on est là. Ah, en fait... Bah, il faut que vous passiez, au... Où ça, au camp? Hein? Attends. Je suis avec les patrons là. Donc on passe au camp ou pas? Ah bah ils sont à la ferme. Vas-y, bah on arrive, on arrive. On n'est pas à la ferme là, on va passer le permis. Mais ils sont arrivés à la ferme. Ils sont arrivés à la ferme. Ah Lexi. Et ils sont. Il est trouvé ouais. Le patron. Du coup on va. Je vais me faire reculer hein. Attends, je vais appeler mes amis. Mes employés. Ils vont payer pour à ta place. Ouais, et puis moi je leur rendrai, t'inquiète. Ok. C'est combien? Il t'a demandé... Il m'a dit qu'il voulait parler avec les patrons pour parler des prix. Ah. Pour négocier les prix. Ah bah t'as eu une amende, Lexi. Du coup, moi, je vais me faire engueuler. Bah je les attends. Bah ils sont où? Ils sont devant, ils sont devant. Attends, je suis en train de regarder là. Tiens, je te donne le numéro du patron. Et tu l'appelles. C'est bon. Pas comment tu vas m'envoyer le numéro, mais vas-y. Bah vas-y, note pour les appeler. Attends, parce que j'ai un problème avec mon téléphone, c'est ce qu'il a là. Pour ça, je te dis, j'ai un problème, c'est que... un peu compliqué. Vas-y, Del. T'es prêt? Attends, voir mes Instagram, oui, attends, toi. Ouais. Alors, 3, 3, 5. 3, 6, 5. Donc 3, 3, 5, 3, 6, 5. 3, 3, 1, 5. 3, 3, 1, 5. 3, 6, 5. Tu veux que je te l'écrive sur un papier si tu veux? Non, c'est bon. 3, 3, 1, 5, 3, 6, 5, c'est bon. Aïe, 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 mal de tête. J'ai mal au crâne. Aïe, j'ai loupé la sortie. T'arrives à les appeler? Ça va? Ah bah.
Il parlait, hein. De quoi il parlait? Désolé. Oh là là. Ah, désolé. C'était ma soeur. Pourquoi t'as fait que t'as fait un dodo? Ça va pas mieux? J'ai l'impression d'être aveugle là. Ah oui, d'accord. Oui. Ça va pas du tout en fait là. Putain. Bonne nuit, bon live. Et s'il y a un souci sur le là, tu me dis, on réglera ça demain. Pas de soucis du tout, merci. Bonne nuit sur la route. Ouais. C'était pas mal hein? Non, j'entendais pas. Ouais, ça allait. Je peux passer en permis là ici? Allez, j'y vais. Et vous voyez mon permis de conduire? Ouais. Ok. Pourquoi c'est sa carte d'identité? Ils sont sur la route, ils sont sur la route. Je vais tout casser. Mais t'inquiète, on se dépêche. Mais ils vont me faire engueuler. Mais le permis de conduire, tu sais pas, ça prend combien de temps? Mais c'est bon, ils vont attendre. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est le patron qui se dépêche. Parce qu'il y a son patron qui vient nous donner des seaux et tout, il est colère parce qu'on n'est pas là. Ça va? Oh merde. On s'en fout de votre patron, vous travaillez pas ici? Non, moi je travaille au ferrailleur. Ok. C'est bon là. C'est bon. Et tu fais pas de vidéo toi? Qui? Toi? Non, j'ai fait des photos Insta là. Tu fais jamais de vidéo? Non. D'accord. Parce qu'on peut pas mettre de la musique avec. Et c'est bizarre quand je parle. Ah ouais? Oh, mon micro il est trop. Quoi? Bah, mon micro du téléphone, ouais. Ah, bizarre ouais, toi. D'accord. Ouais, ça y est, maintenant vous entendez le micro, vous êtes des ouf! Ok. Allez, salut, c'est moi, bonne chance. Pas bonne chance. Mais qui c'est qui m'appelle? Oh, j'ai cru que c'était moi qui me faisais appeler. Ah, j'ai eu peur. Ouais, c'est qui? Oui! Et est-ce que tu crois que si je mets de la musique... Mais désolé, il n'y avait pas de prénom. Et je prends un truc Insta, une vidéo Insta, et la musique et la musique en fond. Dis-lui d'attendre, on arrive. Ouais, tu peux essayer. Ouais, mais non, là, vous êtes à l'autre école, on va pas t'entendre. Mais attends, on se dépêche. Mais non. Ah, mais je te dis, il est vraiment... Déjà, Aïlia, elle a eu un petit souci, elle. Mais d'accord, elle, si vous êtes à l'hôpital dans le nord, là, vous êtes dans le sud. Mais t'inquiète, quoi, on arrive. Bah, c'est Angelo qui l'appelle pour dire qu'ils sont là. Hein. Je me fais engueuler par mon employé. Ouais, bah tu lui dis qu'il se calme parce que sinon moi je le dégage. Mais moi, il me fait engueuler, moi. Oui, mais oh, on va te protéger, petit bébé. Qu'il faut faire, hein, non? De quoi? C'est comme ça qu'il faut faire, non? C'est ça, si on parle mal, on dégage, ouais, exactement. Non oui, voilà. Aïe aïe aïe, j'ai peur. Allez passer votre permis, monsieur, si vous voulez. Ah, moi j'ai déjà. Ah. En plus, c'était Allez, on y va ensemble. Oui, allez, on y va. Comme ça, c'est fait. Et on va écouter, je crois, ils vont louper. Alors, du coup. Oui. 200$ le code. Oh non, c'est cher et où? Bon bah je t'attends en bas. Y'a quoi? J'ai loupé une première fois. Pourquoi tu attends en bas? Hein? T'as pas assez? Bah non. Faut que je vende encore des œufs. Bah va vendre des œufs. Bah oui, j'avais dit que j'avais pas assez. Pourquoi tu montres le monsieur qui est en face de toi? Tant que tu me fais des œufs au plat. T'as m'en faire ou pas? Ouais, j'aime. Ouais, mais est-ce que tu peux m'en faire? Si t'es sage. Ah, j'adore, hein. Si tu es sage. Je vais être sage comme une image. C'est ce qu'ils disent les vieux. Ouais. Bon. Oui.
Et ça marche pas, j'ai trop la rage. Ah, t'as pas fait de vidéo du coup. Non. Pourquoi? Tu veux j'en fais une? Vas-y, fais une. Putain, mais j'aime pas, ça me dégoûte ça. De quoi? J'espère ils vont arriver vite, hein. J'espère Ellie, elle va pas se raser. Oh merde. Oh merde, tiens, la pète. J'ai pas envie de répondre. J'ai pas envie de répondre. Dis que... On arrive, ouais. Et que s'ils sont pas contents, j'ouvre ma gueule là-bas. Ouais, les frérots. On est en train d'arriver. T'as vu la gadji là-bas, là? Mais ça prend un peu de temps parce qu'on a eu un accident. Quand même, regarde, les gars. Ouais. Quand même, regarde en scred. Elle avait... Elle avait... Tu perds de l'argent. Mais bon, après, j'ai trop de flow, frère. J'ai trop de flow. Regardez-moi, frère. J'ai mal le flow. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ouais, je comprends, mais... Je sais pas. On a eu un gros accident. Il y a un camion qui nous a foncé dedans. On va essayer d'aller vite, hein. Ah, je sais pas combien de temps. Hop là, j'ai mis sur Insta, les gars. Vas-y, je regarde. Dans 7 minutes, ouais. Si on n'est pas là. Hein? Ah, ça, c'est pas mon dos, ça. Pas d'argent non plus, frère. Pas d'argent. Pas d'argent. Après l'exal, elles sont chaudes. C'est les polonaises, tu vois. Après, si les autres ils sont pas patients, tant pis. Hein. Merci de ton follow live. Comment tu vas? Bienvenue. Oui? Il a dit dans 7 minutes, il se barre si on n'est pas là. 7 minutes? Ouais. Bah, j'irai au camp et j'irai leur foutre un coup dans le cul. Oh, putain. Mais super si tu vas bien. Pourquoi on est venu aussi ici, là. Mais parce qu'il faut. Coco Dino, merci de te follow. Comment tu vas? Bienvenue. Ça se voit, elle a raté ton code. Regardez sur Insta. Elle a raté son code. Comment tu sais? Moi j'ai pas assez pour le code. Faut que j'aille au magasin. Il va mieux ton ami avec ses cailloux. C'était toi le médecin? Ouais, il va mieux. J'ai le code mais j'ai pas. Ah merde. Ah bah moi j'ai rien du tout, j'ai pas de sous. Mais si t'as des sous, t'es con. Mais j'ai 152 dollars, j'ai même pas 200. Mais la banque, t'as bah oui. À la banque. Mais bah je sais pas. Ouais, mais il faut retirer. Allez, monte. Mais ils sont là, regarde. Mais on doit aller chercher les seaux et tout. Bah va, moi j'attends. Incroyable. Ok. Louis, mets-moi la ferme s'il te plaît. Attends, je vais voir ce qu'ils ont loupé là. Ouais, tout à l'heure, Ailey. Okay. C'est bah bon, oui. C'est des amis. Eh, vous passez pas le permis? Bah, en fait, il faut que j'aille retirer mon argent. Vite. L'équipe, faut qu'elle aille vite faire la ferme, chercher les seaux et. Et puis là, il y a le patron, bah oui. Je sais pas quoi, là, qui est là-bas, qui attend. Et voilà. Mais ouais, moi, il faut que j'aille retirer l'argent pour passer mon permis. Autrement, bah vas-y, va retirer. Félicitations. Okay. Bah vas-y, on t'attend. Big up. Vas-y, à tout. Ouais, hein. Vas-y, on t'attend. Vas-y. Je vais dire, on vient de finir le constat, on arrive. Putain! Oh monsieur, je suis désolé! Il faut pas emmerder les gens qui passent leur permis, il faut vraiment que tu passes le temps. Oh, je suis désolé! Mais bougez, je passe mon permis là! J'ai pas vu avec l'arbre! Vite! Oui, mais arrête de me stresser! Vite, mais moi aussi je suis stressé, tu vois pas. On vient de finir le constat. Merde, c'est où? Oh merde! J'ai faussé sur Yunra comme con. T'as vu, t'es fait une bonne improvisation. Grâce à la. Ah ok, c'était toi. D'accord. À fond, les gars, tu peux faire. Et concentre-toi, allez. Et voilà, une amende. À fond, y'a pas la police. C'est bon, t'inquiète.
dis, on vient de tenir le constat, si c'est en deal. Vous êtes là? À même niveau essence, ça va être chaud. À la ferme, je vends des œufs, du lait, du fromage, de la farine, des pommes, et après faut que je voie. Appelle-les, dis-leur qu'on arrive. Après, tu viendras nous voir en RP, puis on te dira les prix. Je sais même pas s'ils m'ont entendu. Une minute à peine. Oui, ado, ado. On arrive dans deux minutes, une minute. Voilà. Donc Lexi, comme moi, car moi aussi c'est le sang chaud. C'est ça. Non, on n'a pas encore de catalogue. Eh, vous avez vu, Alexia s'améliore en conduite. Hein. Quoi, oui. De merde. Il m'a fait mal. Bon, ils sont où les gueulards là que je leur mette un coup de pression? Bonsoir. C'est vous qui gueulez depuis tout à l'heure là? Bah écoute, ma petite chérie, le temps c'est de l'argent, oh. Bah oui, mais désolé, moi j'ai des occupations aussi, je peux pas être tout le temps là. Mais non, mais je sais pas, Louis il m'appelle, il me dit, écoute, la patronne elle veut des seaux, elle veut des machins et tout. Oui, je veux des seaux et je veux la cisaille. Mais je comprends pas, parce que lui, là, Louis, il est avec toi, oui ou non? Bien sûr ah, oui. Qu'il est avec moi. Ah ben, c'est mon employé, pourquoi il t'a pas ouvert le coffre, con? Hein?
T'es mon employé. Pourquoi t'as pas ouvert le coffre? Bah parce que c'est vrai que t'es pas rentré dans une voiture en partant. Ouais. Et puis, ils en ont vraiment besoin. Bon, alors vous les faites à combien? On s'en fout des explications. J'en ai besoin tout de suite. Faut que j'aille traire la vache, elle a les mamelons énormes ouais, et... Ouais, faut que j'aille travailler aussi la ferraille. Bon, combien tu veux? Je veux 5-6 seaux et 5-6 cisailles en attendant. Ok. Les gars, allez me décharger le camion et vous les posez là-bas à côté des travailleurs, s'il vous plaît. D'accord. Et moi, je vais parler un petit peu avec Lexi. Tu as 5 minutes, Lexi, pour travailler un peu le pli, quoi. Aïe. Pardon, vous disiez? Ouais. Pardon, il pleut plus. Est-ce qu'il pleut encore? Bon, c'est bon. Là, on décharge le camion. Bon, toi, tu peux mettre combien dans les seaux et la cisaille? $100 pour l'instant, j'ai que ça sur moi. Par seau? Bah ouais, mais je vous rendrai de l'argent après. Non, mais ma chérie, oh là 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 là. Vous avez confiance ou pas? Je suis jeune, je suis pas de mytho. Mais laisse-moi parler. Oui, allez-y, allez-y. Ah. C'est trop. Parce que moi, je comptais te vendre le seau $10. Ah, ça fait combien? Ben là, si tu veux 6 seaux, ça fait $60. Et les cisailles, on va dire $11. Et tu sais quoi? Je te fais 6 et 6 et tu me donnes $100. Voilà, ok? Ok. Et après, on discutera, je t'enverrai un petit mail. Ok, je te les envoie maintenant. Ouais, pas de soucis. Je t'enverrai un contrat par mail, d'accord? Et on fera un contrat, ok? Les gars, allez le déposer là-bas et donner au monsieur. Bah, ils sont là-bas qui travaillent. Ah, on leur a demandé, mais ils ont dit que c'était pas eux. Bon, ben, déposer alors dans le coffre du 4x4. D'accord. Je me permets de te rapprocher un peu. Hop. Que tu mouilles un peu là et... Voilà, parfait. Bon, la prochaine fois je te ferai une facture. Oui, d'accord. Ça sera plus simple. Voilà, et je t'enverrai un petit mail. C'est quoi ton mail s'il te plaît? Lexikowalski@laferme.de. Point love, tout ce que tu veux. D'accord, point love, point com. Ok, parfait, c'est pardon, trop... excuse-moi. Oui, non. Je t'enverrai un petit mail et je te ferai le contrat avec le prix, ok? D'accord, merci. C'est 6... Allez. 6-6. 6 ou 6 euros, tu sais avec ça? 6-6 comme saucisse. D'accord, 6-6. Voilà, et puis après, plus tu m'en prends, et plus le prix sera dégressif. Hein? Oui, bien sûr. Et je vais tout noter. Bon, bon courage. Comment vont tes vaches? Tu me fais visiter un petit peu tes vaches? Ou t'as pas le temps? Non, viens, je te fais visiter en deux-deux. Ok. Allez, venez. Viens, venez, je sais pas. Ouais, t'es pas mal, toi. Déjà, on va aller voir la poule. On a tout mis dans le coffre, madame. Bon. Merci beaucoup, monsieur. Pas de problème. Alors. Ah, c'est madame Cocotte qui pond des œufs. D'accord. Et on va aller voir Harley, ma vache. Quoi? Comment elle s'appelle? Harley, le prénom de ma sœur. D'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est... Et pourquoi le prénom de votre sœur? Bah, je sais pas. Ça nous a passionnés. Ah, d'accord. C'est parce qu'elle a des gros mamelons. Wow. Ça va, loin, là. Les cons. Tout droit au fond à droite. Mais elle miaule, alors attention. Hein. Ah, d'accord. Wow, très belle vache. Très belle bête, hein. Eh ouais. Oh, Angelo, tu tires sur les tétons? Ouais. Ça fonctionne? Ouais, ça va. Nickel. Ah, bah, donc toi, tu t'appelles Angelo. C'est un prénom hispanique, ça, j'aime beaucoup, hein. Si, si. Tu es mignon, cabron. Tu viens, c'est bien. Tout est mignon. Oh, t'inquiète pas. T'as commencé à draguer tous tes employés, là. Ouais, tu es mignon. Et sur, à manger, à manger. Ah, par contre, 6 sauts, ça va pas être suffisant. Ah, bah écoutez, allez, on va travailler ça. Yo, ah merde! Ah ouais? Alors, du coup, puis alors là, avec... j'ai plus de sous. Ouais, mais écoute, bah, c'est pas grave. Viens, j'ai encore merci. Viens. On a c'est encore bon. Des sous aussi. Ouais, j'en ai encore des sous. Parce que le problème en fait, c'est que
T'as vu, Louis, ça s'est bien passé. Oui. Voilà, je t'ai dit, avec ma grande gueule, ils vont rien faire. J'ai peur. Faut pas avoir peur, t'inquiète. De toute façon, j'espère, si vous irez, vous allez me recruter. Hein. Ah, bah là, on verra. Je vais te la mettre dans le coffre, attendez. On va mettre dans le coffre, lui, je me laisse dans le coffre. Ouais, mettez les deux. J'ai encore au pire, du boulet au pire, avec sa mère. Non, attends, vas-y. Tu fais quoi, Obi? Ah, il va faire du blé. Oui, après, peu importe. Si ça, il arrive pas à ouvrir le coffre. Ah, viens ici, viens dans le coffre. Okay. Ça va et toi? Oui, ça va. Attendez, j'essaie d'ouvrir mon coffre. Non. C'est où les seaux et les cisailles? Ils sont dans l'autre. Ah. Quel autre? Là, oh, là. Là, celui-là. Ah bah oui, je suis con. Qui c'est qui voulait des seaux? Coucou Bastien, alors, comment tu vas? Quoi? Et justement, je ne l'ai pas essayé encore, je ne pourrais pas vous avancer sur ça. Comment tu mets de coup là? J'arrive pas à mettre dans le coffre moi. Ouais, bah... c'est un cache-caille okay. Le véhicule. Ouais, ah, donc, je vais bien, merci. Ok, donc 8 sous. Oh putain, c'est trop fort. 7. Je les sors de ma poche. Hop, 11 cisailles, 12 cisailles. Voilà, allez. 3 cisailles s'il faut. Allez, mais donne-leur tout, c'est cadeau de la maison. Voilà, allez. Ah, bah, allez, parfait. Voilà. Ah, vous êtes parler. Tellement généreux, merci beaucoup, monsieur. Pas de problème. Mais je pense qu'entre travailleurs, on doit un petit peu se. Oui, c'est sûr. Voilà. Les couilles. Voilà. Non. Se cirer les couilles, non. Ah, les coudes, pardon. Non, les couilles, non. En plus, c'est sûr, pas sûr. Ah oui, ok. Donc voilà, Lexi... Kowalski. Kowalski, ok. Bah écoute, ma petite Kowalski, c'est cadeau. Je les ai pris, Lexi. Et si toi, ah, ok, super. N'hésite pas, hein. Louis, il est où, le petit Louis? Oh, oui. Attendez, je suis paralysé. Aidez-moi. Oui. Remets tes mains dans le corps. Remets tes mains dans le coffre. Ça va pas. Mais... Oh, ça a sorti son âme. Ah, merci beaucoup, monsieur. Ça va mieux. Oui, ouais, merci. Il suffit de la tamponner. J'avais les pieds engourdis dans le sable, la terre, là. Ouais, je préfère tamponner. Bon, la prochaine fois, si t'as besoin de quelque chose, je vois que... Mais oui, ils ont peur de moi. Ton ami, c'est Louis, donc... appelle-le et lui, il te dépannera, d'accord? D'accord. N'hésite pas. Ou sinon, tu passeras. Et tu passeras payer plus oui, tard. Oui, bien sûr. Pas de soucis, d'accord? Oui, crédit maison, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas crédit maison, c'est crédit famille. Oh, ça adora. Merci, et monsieur. Oui. Bon, allez, bon courage. Et bon... Et bon appétit. C'est... Bon appétit aussi, vous, seigneur. Bon, Louis, bonne chance, bonne soirée. N'hésite pas à venir travailler un peu. C'est allez, bonne soirée. Eh oui, parce que... Oui, vous allez y aller. Allez, au revoir. Travaillez bien, passez merci. Bonne journée, bonne route. Merci vous beaucoup. Allez nous manquer. Revenez vite. Ah, vous manquez déjà là. Oh non. Ah, moi. Au revoir, Louise. À bientôt, sûr, petit que, bébé. Ok. Monte. Au revoir. Ah, allez, au revoir. Bah oui, au revoir, petit bébé. Gros bisous. Mes employés sont où là? Noah, tu les as vus? Ils sont sûrement dans le. Là-bas là. Ah, je vais aller voir. Ah, je mets juste la musique dans... en Bluetooth dans la voiture. Ouais. Tu vois, Noah, c'est quoi là? Vas-y. Je peux essayer d'attraire avec toi. T'as des sous sur toi ou t'en veux? Ah non, j'ai pas de sous. Bah attends, je vais t'en donner. Ça va, miaule pas trop quand on l'attrait?
Ça va, ça va. Ok. Merci. Ah, comme ça, ok. Moi, tu prends la pie de la vache. C'est quoi la pie? Ben le... Le téton? Le téton. Oh, t'es gêné? Oh, elle a miaulé! Comment ça, elle a miaulé? Trop mignonne. Ça va, Arly? C'est trop. Trop mignonne cette petite vache. Oh, j'ai trop envie de lui monter dessus. Tu sais, comme un cheval. Justement, j'ai compris ça. Ah. Non, là, c'est ma main qui vient de toucher. Oh, pardon, désolé, j'essaye de trouver un téton de dispo. Allez, Arly, on recommence. C'est trop. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai eu des choses gratuites encore. Voilà. Je suis trop douée. Trop soif. Ça va la vache? Non, pas toi, la vache, la meumeu. La vache, elle a fait meu. Elle a fait meu? Et la cisaille, elle sert à couper le blé, les pommes. De quoi? Oh, elle vient de le faire. T'as vu, elle a fait meu? Ouais. Mais je mens pas. Mais oh, t'es trop mignonne, Arly, tu miaules. Mais elle miaule pas, elle meut. Bah non, elle miaule. De quoi elle meut? De quoi? Bah la vache, elle miaule. Non, elle meut. Mais non. Ouais, elle est très très jolie, la vache. Hein. Oui, mais c'est Arly. Pourquoi tout à l'heure, mon seau, il s'est cassé? Comment ça, oui, c'est Arly? Bah oui, on l'a appelé Arly. Mais... Ah bon? La vache? Mais oui. Ah, c'est pas. Non. Bah, c'est parce qu'on a beaucoup d'affection. Ah. Tout à l'heure, j'ai mon seau qui s'est cassé. Et là, ah ouais? Ouais. Trop bizarre. Il était peut-être de mauvaise qualité. Je vais leur en parler. Je vais leur dire, vous me redonnez un seau gratos. Non, ils nous ont donné, arrête. Mais c'est grâce à moi? Mais pas du tout. Frère. Ah bon? Ouais. C'est qui? Déjà, on vous attend. C'est nous les patronnes. 30, 40 Mais d'accord. Mais va ok, c'est toi la patronne, viens avec moi. Je peux pas, je fais la vache. Tu me suis. Attends, en plus, Ailey, elle a des problèmes avec des gars. C'est pas mon problème, tu me suis. Tu sais qu'Ailey, elle m'a pris en stop. Ah ouais? Ouais. On peut pas y aller, c'est pas mal, c'est ça. Voilà, à cause de moi, je suis. Kowalski, vous me suivez maintenant. Parce que là, vous faites la vaillante, là. T'as des sauts sur toi? Qui, moi? Ouais. Non. T'as pas récupéré les sauts? Quels sauts? Les sauts, ils sont dans le coffre. Ah ok. Madame Kowalski, là, vous dépêchez là, vous arrêtez de faire le fantôme là. Hein? On n'est pas des geeks, on est des fermiers. Hein? Des quoi? Des fermiers? Ouais, je suis pas une chasseuse de fermiers. Fantômes, moi. Ouais, on n'est pas sur Phasmophobia ici, c'est la vieille. De rien. Allez. Allez, go. Regardez dans le coffre comment j'ai cisaillé de blé. Regardez. C'est vrai? Ça fonctionne bien? Là, tu regardes dans le coffre aussi. On recule pas les mouches, on est pas là pour blaguer. Tu vois combien il y a de blé ou quoi? Hein? Tu vois? On n'est pas là pour jouer. Ah, je vois bien les deux. Bah, sors du coffre déjà. Sors du coffre. On n'est pas là pour jouer la poule, nous. Attends, ouais. Je sors pas du coffre, je range les cisailles. Tu la poule, tu la prends la poule. Quand les cisailles, la lame se casse. Ouais, au 200. Pour ça, j'en ai 6. Regarde, même. Il me faut une cisaille. Il y en a dans le coffre.
Regardez, madame Kowalski, le corps. Attendez, j'arrive pas. Nous, on est des. Reculez, s'il vous plaît. Toi, recule. Comment ça, je peux pas? Si tu peux, j'étais dedans, vas-y. Ah! Fatigue, cette femme. Mais. Combien y'a là-dedans? Mais avec ses mains. Alors, ses pieds. 250 têtes œufs, 205 blés, 25 laits. Ah, on ouais. Travaille, nous. Et plus nous mon travail. Lait à moi. Wesh. Comment ça, ton lait à toi? Ça fait travail, ici. 38 laits. Le lait de ma mère, quoi? Le lait de la vache, de ma soeur, de Harley, de la vache, merde! Le lait de ta soeur. Pardon. Et t'as vu, ça travaille. Ouais, je suis fier de vous, les gars. Bravo, Obi, hein. Par contre, ouais, par contre, je vais prendre plusieurs cisailles parce que. Bah, vas-y, moi je vais traire la vache. Viens, Noah, si tu veux discuter. Ok. Mais. Je traire la vache. Mais mon seau, il est où? Mais il se casse ton seau au bout d'un moment, Lexi. Mais... Oh là là, mais. Oh, mais c'est pas drôle! Elle mais... est trop conne, Lexi. Non. Comment je fais? Ok. Ouais, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait du coup à New York. Mmh. Et ouais, vraiment, elle était. C'était sympa. Ok. Moi, bon, bah, je suis de retour au final. Ah. La première fois, je suis allé dans la ville. Ouais, mais honnêtement, je préfère ici, c'est reculé, il y a moins de monde, tu vois. Ouais, non. N'importe quoi, la prochaine fois que tu fais ça, je te coupe les cordes vocalement, moi. Ah bah, attends. Il va les couper lui-même. Je jure. Alors, Noah, ton voyage, ça s'est bien passé? Mouvementé. Ah, j'en doute pas, il y a eu beaucoup de vagues. Ouais. T'es toujours parti en bateau? Ouais. Ah, c'est pas vraiment. D'accord. Un bateau, c'était plutôt... Ah, ouais, une barque? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, c'était mouvementé. Ok, mais ça va, t'es vivant. Mmh, ouais. Bah, dedans de la mort, mais tranquille. Mmh. Je me suis réveillé à côté du... du coin de pêche, là, tout à droite. D'accord. J'étais en slip. Je sais pas pourquoi. Oh, t'as trouvé des habits, c'est bon. Ouais. On les a offerts. Moi, je vais pas te mentir, là, financièrement, moi, je m'en sors pas. Moi non plus, je voulais passer mon permis, il me manque quelques dollars. Ah, seulement quelques dollars, toi? Ouais. Okay. Moi, il me manque limite 1000 balles, tu vois, pour le permis. Wesh. Ah non, mais attends, 1100 balles, le permis. je l'ai sorti. 1100 balles, c'est beaucoup. Oh, ouais. Surtout que j'avais le permis américain, tu vois ce que je veux dire? Ouais. À la frontière, ils me sortent quoi? Oui, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai fait tomber dans l'eau. On est dans un état différent. Vous devez le repasser, quoi. Ouais, il est tombé dans l'eau. J'ai passé mon examen théorique, j'ai payé 200 balles, tu vois. Mmh. Et là, on me dit quoi? Maintenant, tu craches 900 balles si tu veux que je t'apprenne à conduire. J'ai fait, écoute, mon grand. C'est cher. Ouais, j'ai fait bon, c'est pas grave, écoute. Moi j'ai pas le permis, hein. Pourtant je roule. Non plus, hein. Je roule. Hein. J'ai pas de voiture, mais je roule. Moi je vole. Allez. Ah, moi c'est ma tante là qui me prête des véhicules, mais bon. Vous avez fait quoi de la journée? Pas grand chose. Pas grand chose, hein. On a embauché Angelo et Obi. Puis depuis, on court un peu partout. On a été souvent à l'hôpital. Oui, il y a eu plusieurs accidents. C'est pas madame Kowalski. Non, du tout, c'est le monsieur qui vous a écrasé. Ah, pourquoi vous avez ce petit sourire là? Comment vous savez? Ouais. C'est un rictus. Ouais, c'est un lapsus. Non, du tout.
Du tout, ouais. On ira parler dans votre bureau, madame. D'accord. Bah, mon bureau, il est juste là-haut, au-dessus de nous, avec des ballots de paille. Très bien. Monsieur Salvatore. Ok. Sexe. Appliqué. Wesh. Wesh. Exactement. Salut, Tofia, comment tu vas? D'accord. Mais d'abord, je vais chercher un saut. Il est fou. Ouais. Vous avez pas changé depuis, hein? Ah bon? Ouais. Tu trouves? Non, vous avez pas changé, j'ai pas changé. Ah! Tous les deux, vous êtes toujours assez. Ça va, merci. Comment ça, c'est bizarre? Y'a rien qui est bizarre. Ouais. Oh, désolé, j'ai tiré un peu trop fort sur ton téton, Harley. Ça, j'ai fait un quoi, Harley? Mais c'est cool. Mais pas de nouvelles, je lui ai laissé un mot pour dire qu'on était partis. Loki, pareil, non. Ah, Loki est pas venu? Non plus. Pourtant, Ellie, elle m'a dit que. Voilà, ah, mais si, Loki! Ben oui, je le confonds avec Valentin. Putain, je suis trop con. Ok, ok. C'est sûr qu'on parle bien de ton frère. Hein. Harley, pas Marley. Harley, le prénom de la triplette. C'est ton beau-frère, c'est fou. Quoi. Ouais. Incroyable. Il y en a un des deux qui est plus beau que l'autre. Hein. Mon frère. C'est gentil, surtout. Ouais, c'est ça. J'avoue, Bébou, là, il me manque. Hein. Loki, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, il est trop mignon. La dernière fois que je l'ai vu, c'était pendant l'attaque au gouvernement. Ah oh, ouais, non, ça date. Bonsoir. Bonsoir. Ça travaille bien. Bonsoir. Bah, ça bosse dur, ouais. Ouais. Ah, parfait. Hmm. Elle est où, ma soeur? Ah, ça, c'est une longue histoire. Passe quoi alors? Bizarre. Ah! Ah! J'ai eu peur! Faut pas sortir! Ah, Heidi, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, regarde le coffre! La vache, elle miaule un peu, mais tout va bien! Ah, bah en même temps, on l'a. Bah oui, on tire un peu sur les tétons, alors elle est pas trop contente, Harley! Hein? Oui, notre vache, elle s'appelle Harley! Des tétines, non? Plutôt. Non, ça s'appelle des tétons! Non. C'est non, des mamelles, non, plutôt? Oui, des mamelles, oui. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, les tétines, les tétons, plutôt. C'est pour nous. Ah, ok. Ouais. Je disais mamelles pour moi. Bizarre. Ah, bien, les garçons. Écoute, va voir le coffre. Je pense que ça parlera pour nous. Ah, ok. Viens voir le coffre. Je t'invite à y aller. Vous voulez me boire un peu de lait? Non, pas tout de suite sorti du pis de la vache. Hein. Ah! Ah oui, enfin on appelle ça un pie d'ailleurs, pas une mamelle, c'est les pies. Ah, le pie de la vache. Ah, bah je connaissais pas. Ok, bah, ouais. Bah maintenant tu sauras. Les... En fait, la mamelle c'est le gros flan et les pies c'est les tétons. Ah. Le gros flan? Elle a ouais, du flan? Le flan quoi, le. Mais normalement, t'es serviette. Ouais, voilà, vous avez compris quoi. Ah, ok. Bah attendez, j'arrive. Oui, on va voir le coffre. Attends. Ouais, on va lui faire voir ce qu'on a récolté. Et... Oui, bien sûr, on peut venir, y'a pas de problème. Vous faites du fromage? Du fromage. Alors là, on n'a pas tout essayé. Okay. Enfin, on n'a pas trop. On a juste eu les seaux et les cisailles ce soir, donc. Ah, voilà. Ok, je comprends. Bon au cas où j'adore le fromage, donc peut-être je vous en commande. Bah d'ailleurs, va falloir investir dans les seaux et les cisailles. Hein. Ça casse très vite à force de bosser. Ah, hein. Ça casse trop vite. Ah ouais. Ouais. Ah ok, bah. Tu n'aimes pas le couteau. Ouais, ouais. Bah, vraiment du coup, trop. Faudra qu'on reprenne rendez-vous avec le patron et non. Oui. On en reprenne. Et non, mais, j'aurai des plis à chaque fois, il m'a dit. Faire plus résistant, je vais m'occuper. D'accord. Tu viens voir le coffre? Oui, je vais voir ton coffre. Allez. Et on y va. Regarde, Obi. Oh, à tes souhaits. Merci. Avec plaisir. Ah ouais, putain, pas mal. C'est Obi qui fait le blé et nous on fait le lait. Ouais, c'est pas mal. Tu l'es. Il est mal rangé, j'aime pas. Bah excuse-nous. Hop. Alors, tac, tac, ça on va mettre en bas. Et ça on va mettre en bas. Voilà. Voilà, j'ai rangé le coffre. Super. Allons à la soirée maintenant. Je vais te remettre qu'ils arrêtent. Je vais prendre une voiture. Oui, puis on ira chercher Obi. Par contre, il y a Noah avec nous. Il est tout seul. Monsieur Salvador, il va falloir arrêter de travailler. Pourquoi? On va en soirée. Pourquoi?
Comment ça, on rentre soirée? On va picoler. Ouais, on les a invités. Ah ouais, on va fumer. Des grosses têtes au garage. Allez. Bah attendez, je finis de... Viens, Noah. On a bien mon travail. Combien c'était ouvert, ou pas? Il faut aller chercher Obi. Ça va nous beaucoup nous aider, surtout. Du coup, je réfléchissais. Oui. Faudrait peut-être voir pour un contrat de réparation pour vos véhicules, parce que j'ai vu que le van devant, elle est 4 pneus crevés. Ah bon? Ah bon? Ouais. Et du coup, faudrait voir ensemble pour un contrat si vous voulez réparer vos véhicules pour pas cher. Oui, bien sûr. Après, ça dépend le prix. Mais hein. On a roulé sur quoi? C'est bizarre. Je sais pas, non, mais je sais que Paris, en ce moment, beaucoup de gens crèvent les pneus. Ouais. Ah, ok. Après, on a beaucoup de cailloux ici. On va dire que la SPD passe 10 fois par jour. Ah oui. Et c'est 80$ à chaque fois. Autant prendre une carte de fidélité, comme ça, au bout de 10 tampons, on aura des pneus gratuits. Non, c'est ce qu'ils ont fait. Par exemple, au lieu de payer 80$ x 10 par jour, et ben là, c'est à la semaine, et du coup, ils payent que 600$ par semaine. Comment ça que? Par semaine, 600$. C'est ça. Au lieu de 600$ par jour, quand même. Ouais, c'est cher. Bien sûr. Mais c'est pas cher. Hein. On va vendre la vache. Si vous préférez, vous avez un véhicule cassé, vous venez chez nous, vous réparez gratuit, quoi. Ah, je préfère. C'est intéressant. Pour 600$ par semaine. Ah. C'est pas à l'année, l'abonnement? Non, c'est par semaine. Ok. Et c'est un contrat. Et un contrat par mois, c'est faisable, un paiement 4 fois? Alors, pour l'instant, on fait par semaine parce qu'on vous connaît pas trop, vous venez juste d'arriver dans le coin, donc on va commencer par semaine, on n'est pas sûr que vous... Oui, c'est vrai, j'avoue, avec la tête de ma soeur, on pourrait croire qu'on est des voleuses. Ferme-la, t'as la même gueule que moi. Oui, pardon. Savoir qu'on fait tout l'entretien des véhicules, hein, vidange, tout ça. Nettoyage auto, de volant, siège auto. Changer les filtres et en particules. Particules, filtre à gasoil, c'est ça, ouais. D'accord. Mais t'en penses quoi, Eli? Le maire pour refaire les routes. Bah, là, parce ça que pourrait être intéressant, ça veut dire qu'on paye 600$ à chaque fois. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est ça, en fait, vous payez que la semaine, ça vous êtes pas sûr d'avoir payé pour rien. Oui, je trouve que c'est rentable. C'est pas mal, mais je peux pas vous donner l'argent maintenant. Ah, moi non plus. Tout de suite, à la fin de la semaine. Ah, ok. Quand la fin de la semaine, la semaine prochaine, c'est ça. Ouais, je pense là d'ici. C'est pas cette semaine là, mais l'autre. Oui, exactement. Ok. Ok, bon bah c'est parfait parce que moi j'ai pas de sous là. Bah moi non plus, je viens de dépenser mes sous de l'auto-école dans les seaux et les cisailles alors. Pas de soucis, non, à la fin de la semaine. Ok, ça marche. De toute façon, on signera tout ça quand on sera là-bas. Oui, bien sûr. Oui, on fait ça. Oh là là. Pas de problème. J'ai crevé de faim. Non, ouais, mais ça va, souvent, mais... Hein. Et oui. Vous verrez que vous aurez souvent les pneus crevés et vous avez bien affaire à nous. Ce sera bien grâce à nous. Et du coup, vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller acheter des pneus. Et puis même, vous êtes juste à côté en plus, donc c'est ça. Bien sûr, nous répondons. Eh les gars, vous avez pas à manger, s'il vous plaît. Et à boire. Attendez. Parce que j'ai crevé. Merci, Angelo. Oh, merci beaucoup. Putain, je vous rendrai ça. Ouais, je crois aussi. Hein. C'est bon, là. C'est bon, au bout d'un moment. C'est de la connerie, ça. Ah ouais. Ah, Bigfoot, je crois qu'il a pas duré longtemps. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Peut-être aller faire un tour au Tequilala. Ça fait du bien. Il y aura plus de Bigfoot. Faire un tour au Tequilala, moi. Hein. Vas-y, Noah, tu me dis ce que t'en penses là-bas? Tu me dis, mais j'ai pas ton numéro. Allez, Twitter, ça dégage. Ah. Donne le tien, s'il te plaît. Du coup, c'est qui le patron d'ici? Le patron ici, c'est qui? Vous avez regardé dans l'application business? Nickel, merci. Non, il y a une application business, vous l'avez téléchargée? Non, je n'ai rien téléchargé du tout. Je vous laisse la télécharger, vous verrez, c'est super cool. Ah. Business? Vous pouvez gérer directement d'ici les employés, rétrogradés, tout ça, les gains qu'ils ont, votre argent dans l'entreprise et tout. Ah bon? Ah, oh, c'est trop bien. Oui, business, vous allez dans business, si vous êtes le patron. Oh, bah. Trop bien. Et t'enlevais sonnerie Twitter ou les deux? Twitter, j'ai enlevé, c'est tout.
Ah ouais, c'est trop bien. Mais ça tue. Ça, vous voyez leur salaire et tout ça. Ah ouais. Ça tue les gars. Okay, pas mal, pas mal. Avec moi, c'est pas mal. Ah tiens, ma banque, j'ai combien? Parce que je dis que j'ai pas c'est de sous, mais... pas mal. On va pouvoir te suivre, Alexis, t'as vu? Ouais. Ça va, il travaille pour... Du coup, vous voulez qu'on vous répare votre pick-up? Bah oui, bien sûr. Allez-y. Pas de problème, je vais au garage chercher des pneus. Vous allez travailler comme ça? Bah sinon, vous venez au garage, non? Ouais, mais oui, au garage. Au oui, bah, bien on sûr. Je vais chercher la remorque, je la ramène à la remorque. Non, pas Monsieur Salvador, t'appelles Obi? C'est déjà fait. Allez, on y va. Mais il arrive après. D'accord. Il est sur le serveur. J'ai trouvé une application où je peux vous surveiller, toi et Obi, en train de travailler. C'est quoi ? Business. Qui consiste à ? Bah, vous surveiller. Comment ça, nous surveiller ? L'application. Oui, on a une application spéciale patron où on peut voir tous vos PG quand vous êtes à la ferme. Alors, du coup, vous savez combien on a mis de trucs dans le stock, combien ceci et ceci ? Oui. Tout ça, là ? Oui. Tout ça, on le sait. On est fliqué. Oh, ça va? Oui, mais oui, ben au moins on verra si vous travaillez ou pas. Là, et c'est du le coup, premier vous en jour, pensez donc quoi, là c'est un peu normal. Oh, pour l'instant, ça va, vous bossez oui, dur hein, depuis que vous êtes embauché. C'est normal. Comment ça, c'est normal? Mais ne vous inquiétez pas, on va fixer vos payes et tout. Oui, pour, bien sûr. La semaine. Ne vous inquiétez pas. Du coup, ça veut dire que dimanche, on a notre paye là de 3 jours, quoi. Ouais, moi samedi soir je. Vendredi, samedi, dimanche, ouais, 3 jours. Je pars au Mexique là, samedi soir. Ah, pardon? Ouais, je repars bien, au ça. Brésil? Au Mexique? Oui, c'est ce que je dis, le Brésil. Non, mais t'es con quoi, Mexique? Mexique, M. Oui, d'accord. Et mais après, après, c'est juste une soirée, enfin, 2 jours. Mais après, le dimanche soir, je serai là quoi. D'accord, ok. Okay. Tout à fait. On va aller au garage parce que. Oui. Obi ! Je vais aller voir des meufs. Hein ? Hein ? Quoi ? Il est où, Obi ? Non, rien. Et il arrive, Obi. Il finit de travailler là. J'espère qu'il y aura plein de bouffe et à boire là-bas. Et plein de dames aussi. Bah, comment ça, des dames ? Tu veux pécho, ça y est ? Mais non, c'est pour jouer aux échecs. Ah, d'accord. Pourquoi ça y est? Ah non, comme ça, je pensais que tu étais prêt de pécho les gens. De pécho les gens. Enfin, les dames, les femmes, les femelles. Les belettes. D'accord, ok. Vous êtes là? Bah oui. Oui. Ah purée, moi j'ai vraiment mal au crâne moi. Après, oui, moi pareil. Moi pareil, j'ai pas tardé après. Voilà. Je suis fatiguée de ma journée de. Oh, il est beau leur camion. Ah ouais, trop stylé. Faut se garer où? Bah, rentre ici. Demain de reparler. On peut pas changer avant, non? Waouh! Wow. Rentrez à l'intérieur, garez-vous dans le parking. Ok. On va pas changer? Bah non, c'est bon, on est tout galouilleux. Hein. Ouais, on va salir leur sol. Par contre, la voiture, elle a du mal, hein. Oh là là! Mais c'est normal, ouais. Faut que tu enlèves ton truc de vitesse. Oui, oui, je vais changer comment, mon truc de vitesse. Ça hein. Ouais, moi pareil. C'est limiteur, hein. Ça prend fou. C'est horrible. Putain, les nouvelles voitures et la technologie, là. Ah ouais.
C'est très grave ce qui arrive à le véhicule. Ah bon? Il a quoi? Je sais pas, il fume et regarde. Hein? Comment ça il fume? Oh là non! Il est là! On va essayer de le rentrer et examiner ça de suite. J'espère qu'ils vont pas nous arnaquer. Hein. Bah pourquoi veux-tu qu'ils nous arnaquent? C'est un garagiste. Oui, je sais, mais... Bah oui, bah non. Je te dis bonne nuit, à demain, oui, merci pour le live. Mais avec plaisir. Ouais. Revenez quand vous voulez. Tank pour descendre. Ah, ok. Vas-y, monte. Vas-y, monte. Hop là. Là, tu le vois, là? Ouais, c'est bon. Mais ça me sonne les notifications en haut. Oh la vache. La rampe, c'est pas trop ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Il abîme plus le garage. Déjà. Il doit démonter. Il doit grave démonter le garage. Oh là là, ça. Vous entendez ça, Guy? Bien sûr. Ah bah oui. Il a même très fort sa sonnerie. Oui, allô. C'est nul sa sonnerie. Là, nous sommes. Moi, j'ai mis l'iPhone au moi, le normal. Bah, il y a les patronnes. Les gens du cyber. Oui, on est dans tes garages en attendant. Bah, c'est elle, hein. Bienvenue au cyber garage. Merci. Voilà. Merci beaucoup, bisous. Waouh. Oh, c'est beau. C'est joli. Ah hein. Ouais, c'est ah ouais. Trop beau. Ouais, regardez en haut cette petite voiture. Oh, j'adore, c'est trop néon et tout. Waouh. Ah ouais, là franchement c'est super hein. C'est incroyable. Alors, ce garage. Là on ouais. A bon là les gars, je vais lag. Parce que la map là, j'y suis jamais allé, alors automatiquement ça va laguer hein. Ça va lag. C'est trop bien. C'est joli hein. Oh, c'est ouais, trop c'est mignon. C'est beau. J'aime trop. Moi aussi j'aime bien. J'aime beaucoup même. Ici, on a un petit espace clientèle avec quelques distributeurs et des petits canapés. Il y a des capins. Oh la classe. Ah ouais, il y a beaucoup de fils, fais attention. Ouais. Et bienvenue dans l'atelier. Waouh, wow. Wow. C'est rien. Ici, vous avez tous les trophées de drift. Ouais, ah ouais je vais, je lag énormément ici parce que le, je connais pas cette map-là. Là. C'est ensuite, dur. Suivez-moi. Là, on a les emplacements pour les réparations et les entretiens. Ah oh là là. Très grave, très grave. On a le bureau. C'est vraiment trop beau, t'as vu Lexi? Ouais, j'ai jalouse là. Mon bureau, enfin celui du patron, mais je suis co-patronne. Mais what? Oui, le bureau est très grand parce que j'aimais bien les grands bureaux. Vous avez le blackjack plutôt, trop bien. Ouais, on a une petite table wow. De jeu. Ça c'est la collection de voitures du patron, elle coûte très cher donc faut éviter d'y toucher. Ouais, wow. On ne veut pas y toucher. Hein. Et encore des trophées là derrière. Le trophée du meilleur réparateur, du meilleur technicien. Du meilleur changeur de pneus, enfin ah ouais, de rapidité, des... le plus rapide de ah l'année la 2015, 2016, 2018, 2021. Tu peux éteindre le moteur, s'il te plaît. C'est magnifique. Les deux gros trophées, c'est pour le drift, et puis après, c'est trophée suspension arrière, trophée suspension avant, trophée de la jante, je l'ai déjà dit. Enfin voilà, c'est pour vous dire, il y a beaucoup de palmarès. Il n'y a pas les clés. En tout cas, magnifique, ah bah, hein, vous êtes très bien ici. Comment ça, il n'y a pas ah les oui, clés on est bien. Il est en route. Ensuite, et on a un raton laveur. Parce que j'adore les ratons. Oui, d'accord, magnifique. J'adore les ratons, ouais. Très mignon. Mon animal préféré, c'est les ratons. Parfait. Là, on a un autre petit bureau pour le secrétariat, tout ça. Pas mal. La meilleure partie, et non des moindres. Attendez, c'est pas ma clé. Ah bon ? Le bar privé. Oh, waouh ! Ah ouais, il a. Je sers à quelque chose, hein ? Oh, je veux bien ! Oh putain, on a l'air crevard, Daily. Oh, rien dedans. On s'est jeté dessus. Ouais, on aurait dû s'habiller classe. Non, mais on s'en fiche, regardez, moi j'ai un t-shirt de pyjama. Okay. Alors. Oui, mais nous, on est pleine de boue et de caca de vache. Oh, Daily. Désolée, je vais nettoyer tout ça. Oh putain, pardon. Descends, ça suffit. Je sais que t'es jalouse, mais calme-toi. Je suis pas jalouse.
pas. Tenez, je vous donne une pina colada. Je sais pas si vous aimez. Je connais pas. Non, pardon. C'est un cocktail avec de la coco et de l'ananas. De l'ananas, oui. Merci. Vous voyez, si vous faites pas attention à votre moteur, qui arrive à un 20 km, encore un autre véhicule à la poubelle. Et ouais. Voilà. Merci. Délicieux. C'est vraiment délicieuse. Ah ouais. Bah voilà, et puis on a une vue sur le garage, on peut voir si les clients arrivent et on peut faire la fête en même temps. Je ferai peut-être une soirée ici d'ailleurs. Bientôt. Ah ouais. Mais pourquoi pas. Ça me tente. On viendrait, hein. Ouais. Vous faites une petite soirée. Comment c'est beau. C'est lumineux en fait. On se sent bien dans ce garage. Ouais. On aurait presque envie de se rouler dans les flaques d'huile qui apparaissent. C'est cosy, on va dire. C'est pas mal. On devrait faire un sexy photoshoot avec plein d'huile. Hein. Ouais, un calendrier. Ah voilà, vous avez. Un calendrier. Ah, calendrier sexy. Ou alors un ticket de caisse sexy. Oh, j'ai organisé. Il faut un photographe. J'espère qu'il y a un photographe dans cette ville. J'ai organisé un. Je vais faire un concours de mannequins. Et pour le calendrier du cyber garage, je vais prendre des mannequins en bikini faire des photos. Je vais faire un. Ah, je vais faire un casting. Vous voulez faire partie du jury? Non, moi je voulais faire partie la meuf sexy. Ah bah très bien, vous pouvez. Non, je rigole. Faire partie du jury avec moi, il me faut une femme avec moi. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Parce on peut être deux. Hein. Non, moi non plus finalement. Ah bon, vous êtes sûr? Vous voulez pas photographier? Non, non, je préfère juger les gens. Ah d'accord, bon, c'est ma passion. Partie du jury alors. Oui, surtout que moi je suis direct donc. Je vais faire un vrai calendrier, je rigole pas du tout. Un vrai? Oh, trop bien. Ah, j'organise ça, élection des mannequins pour le calendrier édition 2022, enfin pour les deux mois qui restent. Mais... Oui, wow. Bah, vous avez une très très bonne idée. Oh, pire, j'y participe et je m'habille en mère bon, Noël. Décembre, il faudra un bonnet de Noël avec un bikini de Noël. Ah oh, bah oh, c'est trop incroyable. Et à Pâques, des petits œufs de Pâques et tout. Ouais, c'est trop. Monsieur le patron, on a eu une super idée avec les filles. Oui, faudrait juste voir le véhicule. Hein. Pourquoi? C'est très grave, très grave. Ils ont quoi, il a quoi mon véhicule? Attendez, on peut juste vous exposer notre idée. Oui, allez-y. Faire une soirée ici d'ouverture avec un concours de mannequinat pour faire un calendrier du cyber garage. En mère Noël. Alors pour décembre, ce sera thème Noël. Et on prend une photo de chaque retenue en bikini ici, dans le garage. D'accord, bah, c'est calendrier. Toi qui t'en occupe, hein? Oui, bien sûr. Ok, super. Bah, merci, c'était pour savoir. Bon, on doit descendre. Ouais, j'ai mis le véhicule sur un... Instagram. Du coup, on c'est grave. Comment ça sur Instagram? Hein? Moi j'ai mis. Et allez sur Insta. C'est pas commercial mais ça. J'ai... Oh mais j'ai pas le. Bah moi non plus j'ai pas. J'ai pas. Ah, vous avez pas Insta? J'ai pas mon compte encore, oui. Vous avez mis quoi? Ah, vous avez mis une vidéo, monsieur patron? Oui. Bon, vous savez à quoi ça fait penser? À quoi? À la pub pour Carglass. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Ça. Ah, c'est mon employé. Ah oui. Non, je suis l'employé de la ferme. Ah oui, ok, super. Oui, c'est mon employé. Allez-y, venez, on va descendre voir le véhicule. On va descendre par là, ouais. Venez. Ou par là, pardon. Côté. Ah, on côté. Le patron. Il y a beaucoup de portes. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ah, c'est pas là, c'est pas là, c'est ici. Ok. Ça va, ça lague un peu moins, j'ai l'impression. Donc là, on est en train de commander toutes les pièces. C'est grave, vraiment? Il y a un joint de culasse, le radiateur a percé. Putain de merde. Mais pas le joint de culasse, c'est le truc le plus cher. Mais regarde, la carrosserie et tout, elle est dégueulasse. La carrosserie, maintenant. On a commandé une à l'arrière, deux feux à l'avant, quatre pneus, et tout ce qu'il faut. Oh là là. Il faut mettre à la casse le véhicule, on achète un nouveau. Ah si, je lag encore. Utiliser le véhicule. Oh, là, bah là, moi je sais là, pas. Je peux te dire, ça creuse, j'en mange un sandwich. Regarde, c'est tout commandé là. Ah oui, quand même, je pense pas que c'est aussi cher. C'est bizarre. Je mange parce que là, je suis à deux m'évanouir. Obi, lui, il s'est servi d'un véhicule, mais il s'est bien soigné. Enfin, il l'a bien soigné. Ouais. Mais bon, le point positif, c'est qu'elle va ressortir. C'est bizarre que les creux. C'est ça, les pneus sont crevés, c'est quoi ce bordel là? Mais je crois que c'est les cailloux. Des roues, ouais, des cailloux, là, tu sais, à la ferme, il y a des le garage, plein de cailloux. Le garage, il y a des trucs 3D de Hyper-MX. Ouais, mais là, je bug. Elle est l'arrière, on dirait que quelqu'un l'a mangé. Je bug, j'ai jamais été sur la map, alors... Un coup de corne. Tu crois que c'est Harley qui est passé là? Ben non, arrête tes conneries. Bah, la vache. Celle qui miaule. Il y a plus d'eau dans le radiateur et... Quoi? Vraiment, il y a de la mayonnaise dans l'eau. Quoi, de la mayonnaise?
Enfin, je veux dire, le terme de dire qu'il y a un joint de culasse, quoi. Ah, ça veut dire qu'on a acheté des véhicules. Je pensais que quelqu'un avait fait cuire des frites dedans. C'est ça, mais on est en train de faire la commande de toutes les pièces, inquiétez pas. Exactement, en attendant. Bah, ouais, mais le problème, c'est qu'on en a. On s'est fait entuber, quoi. Besoin. Oui, on s'est fait entuber, là. Putain, non. On va pas dans. En attendant, on nettoie le véhicule. Par contre, on a usé tous nos économies pour ça. Après, bah, s'il faut, je refais ce que je faisais, puis. J'ai oublié votre prénom. Aïli Lexi. Aïli, c'est vous ? Moi, oui. Ah avec oui, non, c'est Alexis. Alors, venez voir. Vous voyez cette flaque, là ? Je pensais à ça pour les photos. Ah ouais, s'allonger tout dessus. Un reflet, quelque chose comme ça, oui. Ouais. Pour être sexy un peu, là. Et regarde ça. Allô ? Oui. Ouais, pas mal. Une main derrière la tête et une jambe en l'air et en tenue de Mère Noël avec le bonnet et tout. Parfait. Oui. Ça va être incroyable. Ah, et oui. Ça dans deux minutes. Ok, ok. Impeccable. Ah, regardez derrière sur la photo, c'est moi là-bas. J'ai fait un autoportrait de moi sur la photo. Waouh. Ça va, Obi ? Oh, je vous envie, hein. Vous êtes belle. Ah, c'est gentil. Ah, oui. Mais c'est vrai qu'on dirait vraiment bien moi, quoi. Mais carrément ? Bah oui, c'est moi. Mais oui, c'est vous ? C'est moi. Et oui. C'est pas pour être narcissique, mais... Ah non, mais il le faut, hein. Mais c'est un faux flingue, hein. C'était pour une pub. Ah, dommage. Ouais. D'accord, j'aime trop les lunettes. Ouais, bah je les ai changées, voilà, j'en ai des nouvelles. Oh bah oui. C'est trop. La vache, ta soeur, tu me fumes. J'ai un collier aussi, très joli. Ouais, de chez Dior, Chanel. C'est ça, oui, c'est un Chanel. D'accord, j'aime beaucoup cette marque. C'est magnifique, j'adore aussi, c'est très français. Mais j'ai tout vendu pour avoir des sous. C'est vrai ? Ouais. Ah, c'est pas bête ça. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Qu'y a-t-il ? Ah, rien. Bah si, t'as rigolé. C'est trop calme. Ouais, elle joue bien, Yunra. Je l'aime trop aussi, moi. Elle est gentille. En tout cas, c'est vraiment pas mal, ici. Ouais. Franchement, ça me donne envie c'est de mettre minime, la... Ouais, c'est vraiment très joli. Ça me donne envie de rapprocher la ferme, ici. Pourquoi faire ? Bah, comme ça, on la voit tous les jours, le garage. Mais tu le vois d'en face, t'inquiète. Ah bon ? Oui. Ouais. Ah. Surtout le soir, hein. C'est vraiment très joli, le soir. Ah bah oui, avec les néons. Oui. T'as vu sur la photo, elle m'a dit que c'était elle. Elle est trop canon derrière toi, là, l'affiche. Hein ? Ah oui. Ah oui, c'est vraiment elle. Ça se voit. Trop belle, hein ? Ouais. Je pense que je vais aller l'embrasser sur l'affiche. Hein ? Elle a complètement tiré, c'est... Mouah ! C'est trop. Oh, vous m'entendez ? Bah oui, t'as une grande gueule. Ah mais c'est incroyable ça en fait. Je touche à rien. Ah bah si. Ta gueule. Alors elle ? Je vais te gifler. C'est moi qui vais te gifler. Ah ouais. C'est mal à toi. Bref. Ouais. Mais pourquoi Je comprends pas pourquoi. Bon, moi, je crois que je vais sûrement aller faire de l'eau parce que là, ça va pas du tout. Bah ouais. J'ai un gros problème. Non, je vais pas faire ça, voyons. Je vais aller voir vite fait Obi et Angelo. Obi et Angelo ? Ouais, ouais. Vous allez dodo aussi ou pas ? Non. Non, non, non. D'accord, bah je vous fais confiance pour garder la ferme. Dormir, toi. Hein ? Il dit tu vas dormir. Ouais, bientôt, là. Putain. Ah ouais, c'est dur de traire les tétons de la vache. Hein. Ouais, ouais. Oh, elle est trop mignon comme ça. Ah, moi, j'en devais la tenue, hein. C'est bon, moi, je suis en soirée, là. C'est ah ouais, t'as raison. Angelo ? Tranquille. Angelo ? Mm-hmm. Je vous confie la ferme cette nuit. D'accord. Et vous faites très attention à Harley qu'elle ne s'enfuit pas, faudra lui mettre la laisse là. Okay, on a déjà mis tout à l'heure, non ? Ah, j'ai mis ?
Je me rappelle plus. D'accord. Vous voulez m'accompagner ou... Moi, je vais retourner travailler hein, plus tout à l'heure. Ouais, moi aussi, je vais pas te mentir, je vais travailler. Vous êtes trop mignon. Ok. Non, fais pas semblant. Grave, les pièces ont changé. Bah oui, moi non plus, je fais pas semblant. Ils sont trop mignons, je les aime trop. Ouais, ouais, bah oui. Elle est partie direct, lui. Bah, allô, ma soeur. Bah, vas-y, rejoins-le si tu veux et je vais. Ah, bah, viens si tu veux. Oui, Angelo, il a un Twitch, mais je vais lui. Je vais lancer. Ouh! Ça glisse. Je vais lancer un raid après, comme ça vous pourrez aller sur sa 1, 2, 3, sa chaîne. Oh là là. Ah bon, bah partons. Elle est là-bas, je crois. T'as... Elle plane un peu, là. Elle plane, elle. Alice, je vais faire dodo. Bonne nuit, je t'aime. Ouais, bonne nuit, à demain. À demain. Mort, hein. Il va être content d'avoir un peu de monde sur sa chaîne. J'aime trop le style à Obi, il est trop mignon. Regardez comment il marche. On est déjà parti au travail, Angelo, non? Mais je crois, ouais. Mais nous, on doit aller à pied, là. Non, il y a des... Ah, t'en as pris un? Ouais, ouais, ouais. Ah, tu gères. Mais de rien. Mais restez, hein, je vais vous... raid le live à Angelo. Comme ça, vous allez les surveiller. Mais sinon, bonne nuit. Et mais de rien pour le live, moi ça me fait plaisir. Je vais changer et puis je vais travailler encore. Hein. Bah oui, t'as raison, t'inquiète. Moi aussi, je vais me changer pour dormir là, c'est trop. Je reste le temps de me changer et d'aller à la ferme. Calme en ce moment, y a pas grand monde. Hein. Non. Après, on fait que de bosser aussi. Vous avez vu le mapping du magasin? J'aime trop. Non, c'est pas ça. Je démonte tout, sa race. Mais arrête! Ouais, mais par contre, je lag. Hein. Là, ouais, je pense que j'ai besoin d'éteindre mon PC. Hein. Après, c'est dans les mappings où j'y vais pas, alors c'est normal que je lag. Regardez, je suis sortie du mapping, bah tout va bien. Parfait. Je vais déposer mon lait. Attendez. Je suis trop conne, moi aussi. Voilà. Ça, pas besoin. Pomme. Eh, on s'en sort trop bien. C'est génial.
Bon les gars, j'ai déposé le lait. Qu'est-ce que... Vous avez quoi? Rien. Ah, on dirait que vous y étiez triste. Non, non. Non. Ok. Moi, je vais dormir juste là-haut sur les ballots de paille. Alors, si vous avez un problème, vous me réveillez. Hein. Ouais. Je viendrai vous défendre, ok? Dans le couteau, on a tout ce qu'il faut. Ah oui, moi aussi, il faut que j'aille chercher des armes. Ah, mais j'ai plus de sous. Petit couteau. Oh, ouais. Trop mignon. Waouh. Wow. Ça. Petit mouvement de main, là. Ah ouais. Ouais. Bon, les gars, je vous dis à demain. Vas-y, à demain. Vas-y, bonne, bonne nuit. Vas-y. Tu traites le lait. Enfin, tu le cueillis. Enfin, tu le... Après, il faut le traiter. Merde! Oh putain, je suis trop conne. On va dormir ici, ça sera plus sécuritaire pour Lexi parce que l'autre côté va tomber dans le vide. J'essaie de me rappeler la position. C'était quoi? Je me rappelle plus. Hop. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah. Merde, je me rappelle plus, c'était quoi? C'est dans les T, je crois. T-O. Non. Merde, c'était quoi mon truc? Je me rappelle plus. J'abuse. Hein. Ça, c'est pour s'asseoir. Ah, voilà. Mais non, mais je suis super con. Non, c'est pas ça. Non plus. Voilà, c'était pas soute. Je suis trop con. Voilà, elle fait dodo. Et moi, je vais vous raid le live de Angelo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À vous abonner. Hop. Allez tous sur son live. Ça va lui faire très plaisir. Et moi, je vous dis à demain. Et merci d'être passé. À plus tard. Allez tous là-bas, hein, sur le live d'Angelo. Il va être content. Bisous.